La radio va commencer aujourd'hui à donner une série d'entretiens entre Roland Dorgelès et moi. Je n'ai pas besoin de vous présenter Roland Dorgelès, d'autant plus qu'il ne s'agit pas aujourd'hui du président de l'Académie Goncourt, ni de l'auteur illustre des Croix de Bois et de tant d'autres livres. Et cependant, c'est tout de même à un auteur de livres que je m'adresse, mais à un auteur de livres spécialisé, dirais-je, à l'auteur du Bouquet de Bohème, par exemple, et aussi du Château des Brouillards, c'est-à-dire à celui qui a si bien connu Montmartre. J'entends le Montmartre d'autrefois, le Montmartre d'avant la guerre, d'avant la première, dont on parle tant et que personne ne connaît plus aujourd'hui, et dont je voudrais bien lui demander de parler en l'évoquant pour tous ceux très nombreux qui ne l'ont vraiment ignoré et qui n'en entendraient peut-être plus souvent parler. Mon bon ami, j'ai passionnément aimé Montmartre et je plains ceux qui ne l'ont pas connu à la Belle Époque. C'était véritablement un village, ce n'était pas du tout un quartier de Paris, ce n'était pas non plus un faux village folklorique installé pour les touristes, c'était vraiment un village qui était oublié là où on ne sait pas pourquoi, sans doute parce que Haussmann n'avait pas eu le courage de monter la côte. J'ai l'impression que c'est mon pays natal. Je ne veux pas renier Amiens, ma belle ville natale. Mais un jour de printemps, au début de ce siècle, quand j'étais élève aux arts décoratifs, je suis monté avec des camarades qui montaient sur la butte, m'ont entraîné, et j'ai été émerveillé. Je découvrais un village comme je n'en avais vu, jamais vu d'aussi parfait. Un village, d'abord avec ses moulins, ils étaient trois à l'époque, le Bluttefin, le Radet et le Moulin à Poivre. Il y avait des tonnelles, des champs d'oiseaux, des bornes fontaines, des puits. On était transporté dans un autre monde, on était reporté d'un siècle en arrière. Je me souviens de mon étonnement quand j'ai aperçu une chaumière, car il y avait encore une chaumière à Montmartre, rue Saint-Vincent, la dernière chaumière de Paris. On racontait, ce n'était pas vrai bien entendu, que Henri IV y rejoignait la belle Gabrielle. Il est certain que depuis l'époque, n'est-ce pas, il y a depuis longtemps que la chaumière aurait été détruite. Mais enfin, il y avait une réelle chaumière entourée de jardins et les enfants grappillaient des cerises, les enfants chapardaient les groseilles pendant que d'autres gens ramaient les choux. Vraiment, à penser qu'à cette époque-là, devant le Sacré-Cœur, sur l'emplacement de l'actuel Square Saint-Pierre, on fauchait encore les foins. J'ai vu faucher les foins. Vraiment, on ne peut pas imaginer ce que ce pays était charmant. Aujourd'hui, on a remplacé tout ça par quoi? Par des maisons en béton. Ce n'est pas très joli. Ce sont des pressoirs à locataires. On a l'impression qu'on insère à chaque fois un peu plus la vis pour avoir plus de locataires à loger. Mais vraiment, ça ne vaut pas le charmant village de mes 20 ans, le charmant village qui était Montmartre. J'avais bien entendu dire, et même j'ai connu peut-être, deux Montmartre, et qu'on appelait l'un le Montmartre d'en haut et le Montmartre d'en bas. Est-ce que c'est uniquement de celui d'en haut dont tu veux nous parler? Si tu pouvais le délimiter un Seulement peu. celui d'en haut, c'est le vrai, c'est le seul. Celui d'en bas, celui des coiffeurs pour dames et des boîtes de nuit et du jazz naissant. Non, 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 ce n'était pas Montmartre, ce n'était pas un autre Montmartre. Le nôtre, il n'y a qu'à piquer un compas, place du Tertre, faire un grand cercle qui passe par le pont Caulaincourt, la rue Caulaincourt, la rue Custine, qui descendent jusqu'au boulevard extérieur par la rue Clignancourt. Ce Clignancourt dont on ne somme pas si longtemps. Jean-Jacques disait dans les rêveries d'un promeneur solitaire, j'ai traversé le charmant village de Clignancourt, il n'en restait plus rien, c'était devenu un quartier, mais enfin, c'était l'une des limites du vieux Montmartre. Ensuite, il y a les boulevards extérieurs, boulevard de Rochechouart, puis boulevard de Clichy, et on se retrouve à l'entrée, c'est-à-dire au pont Caulaincourt qui est l'entrée de Montmartre. Eh bien là, tenait tout notre bonheur, tenait toute notre joie. Dans ce périmètre, on trouvait trois balles et trois cimetières, s'indiquait vraiment notre destin. Sans oublier un chemin de fer qui ne menait nulle part, le petit ascenseur. Eh bien, ça encore, c'était un moyen de locomotion charmant. Il ne servait à rien, bien entendu, qu'aux gens qui n'avaient pas nos jambes de 20 ans pour grimper les escaliers. Mais c'était encore charmant. Pense donc, on avait épinglé à la porte une pancarte annonçant « Messieurs, les cambrioleurs sont prévenus qu'il n'y a rien dans la caisse, inutile de fracturer la porte. » Eh bien, les cambrioleurs étaient à la page, ils ne fracturaient plus la porte, ils savaient qu'il n'y avait rien. Vraiment, je te dis, c'était la gare qui ne menait nulle part. Les enfants étaient charmants, c'étaient des gosses délicieux qui ont été immortalisés par Poulbot. Ils criaient, ils braillaient, ils chantaient. Quand arrivait une auto, c'était un scandale, c'était une émotion, on courait pour la suivre. Et qu'est-ce qu'il y avait comme marchand à cette époque-là? Bon, il y avait quelques boutiques, il y avait un boulanger qui était toujours poudré de farine, il y avait une épicerie qui faisait crédit, c'était rare, une vieille mercière qui vendait des bobines de fil.
Tout ça était étant, c'était vraiment le petit village qui vivait simplement pour les gens du pays, pour les gens du petit coin. Quand ils descendaient dans Paris, c'était un tel voyage pour eux qu'ils disaient tout naturellement, tiens, demain je vais à Paris. Pour eux, Montmartre n'était pas Paris, ils avaient raison. C'était notre pays à nous, c'était notre patrie à nous. Je vous dis, j'en ai fait mon village natal. C'est preuve que je l'aimais. Il est vrai que tu nous parles abondamment de ce Montmartre villageois parce que tu sembles le regretter énormément. Mais il me semble que ce village était un village comme beaucoup d'autres, sauf qu'il était dans Paris, ce qui est tout de même extraordinaire. Mais moi, je voudrais que tu attires l'attention de nos auditeurs sur ce qui fait de ce Montmartre d'autrefois quelque chose de très spécial, c'est qu'il était en fait la capitale d'une grande patrie d'artistes et d'écrivains, et que, je me suis laissé dire, j'en ai connu d'ailleurs la fin, ou tout au moins encore la belle époque, que le centre de cette activité ainsi décrite et qui va vers les hommes de lettres et les peintres comme les autres artistes, c'était le fameux lapin à Gilles. Ne pourrais-tu pas le situer d'une façon un peu caractéristique pour tous ceux qu'ils connaissent encore de nom? Le lapin à Gilles, c'était notre quartier général, c'était notre lieu de rendez-vous, c'était pour certains l'atelier où ils dessinaient, c'était pour l'autre le théâtre où ils passaient leurs soirées. C'était un cabaret unique dans son genre, un cabaret qui semblait lui aussi dater du XVIIe siècle. Il était tenu par un personnage extravagant devenu légendaire, Frédé, toujours coiffé de son serre-tête rouge de bandit corse. Autrefois, il tenait un cabaret au Zut, place Constantin Pécœur. Place Jean-Baptiste Clément. On s'y était battu à coups de revolver, on avait fermé la boîte, alors il s'est installé au Lapin à Gilles. Lapin à Gilles qui avait été autrefois le cabaret des assassins. Et qu'André Gilles, le fameux dessinateur, avait décoré d'un lapin, en guise d'enseigne, un lapin qui dansait dans une casserole, d'où le calembour Lapin Agile. Le nom lui était resté. Eh bien, Frédé menait là ce petit monde avec une verve, avec une gentillesse surprenante. C'était vraiment un endroit où on pouvait aller, même quand on n'avait pas le sou. Pense qu'un café se payait 2 sous, la consommation 4 sous. Et c'était les artistes qui formaient le programme. Tous ceux qui étaient là et qui consommaient se levaient à tour de rôle pour chanter quelque chose ou pour dire leur vers. C'était des soirées délicieuses. Mais remarque que dans l'ensemble, il y avait aussi des artistes étonnants dans cette troupe. On ne payait d'autre chose que sa consommation. Il y avait, par exemple, Carco. C'est là qu'il a débuté, non pas comme romancier ni comme poète, mais comme chanteur, en chantant les refrains de Marseille, grimpé sur une table. Et c'est là surtout qu'on entendait Charles Dullin à ses débuts, ce merveilleux Charles Dullin, qui était possédé, brûlé par l'amour du théâtre. Il n'avait pas un physique de théâtre, comme on dit. Il était tout voûté, il avait une voix rauque, n'est-ce pas ? Mais il était vraiment dévoré par son art. Et quand il disait des vers de Villon, quand il disait les vers de Baudelaire ou de Rollina ou de Verlaine, il était transporté dans un autre monde. Il était transfiguré. Et après, lui ne faisait pas la quête, il était trop digne pour cela. Mais une fille prenait une soucoupe et faisait la quête pour lui. Et c'est souvent avec cela qu'il allait manger, car il n'avait rien. Il ne doutait pourtant pas de son avenir. Je me souviens qu'une nuit, nous promenions ensemble devant le théâtre Montmartre, qui porte aujourd'hui son nom, qui est devenu le théâtre de l'Atelier. Eh bien, il me montre ce théâtre alors qu'il était sans le sou, qu'il ne savait peut-être pas où il allait coucher. Il me dit, tu vois, un jour, je serai directeur de ce théâtre, je le prendrai, j'y montrerai des spectacles et j'y viendrai en voiture à cheval. Il est devenu le directeur et il y est venu et il y a eu ses chevaux. Il avait son attelage qu'il menait là fièrement jusqu'à la place d'Encourt. En dehors du lapin agile, il n'avait pas grand-chose pour gagner sa vie. Il avait tout fait. Il disait des vers dans les cours. Il fallait un fameux courage pour cela, pour échapper au ricanement des bonnes qui se planchaient aux fenêtres pour se foutre de lui. Et non seulement il a fait mieux encore, il a dit des vers dans la cage au lion chez Peson. Il était là et pour 100 sous par jour, il déclamait du Villon, du Baudelaire et le reste et du Rollina. Dans la cage au lion, les bêtes étaient épouvantées. Jamais on a vu Dullin avoir peur, mais en revanche, le lion tremblait de peur. La pauvre bête se terrait dans le coin de la cage comme une carpette, n'est-ce pas, n'osait plus bouger. Il disait, ce jeune homme chevelu va certainement me mordre tout à l'heure. Il n'a jamais été mordu. Et un jour qu'il disait ses vers au lapin Gilles, il s'est mis à pleuvoir. Il y a un vieux monsieur qui passait, qui se promenait dans Montmartre, qui errait dans Montmartre, qui dit, tiens, je vais mettre à l'abri. Il entre par hasard au lapin. Il en entend Dullin dire plusieurs poèmes, il était étonné, séduit. Quand Dullin est terminé, il l'appelle, il dit, « Dites-moi, mon ami, vous dites très bien les vers, voudriez-vous faire du théâtre ?» Dullin lui dit, « Mais je n'attends que ça, monsieur. »« Bon, je suis Robert Dumière, je dirige le théâtre des Batignolles qui devenait le théâtre des Arts. Je vous engage, venez me voir à mon théâtre. Venez voir, je vous engagerai. » Dullin ne croyait pas à cette bonne fortune, ça s'est pourtant réalisé.
Robert Dumierlin fait jouer dans le Carnaval des enfants, la pièce de Bouhélier, puis dans les Frères Karamazov, où notre Dulin a obtenu un triomphe, il était lancé du jour au lendemain. Eh bien, s'il n'avait pas plu ce jour-là, peut-être n'aurait-il jamais trouvé sa chance, peut-être serait-il mort mangé par les lions de Pezon. Mais est-ce qu'il n'y avait pas, en fait, de curiosité, au Lapin Agile, c'est un fameux tableau dont tu m'as parfois entretenu. Oh, ça, alors c'est une autre histoire, oui. J'ai été un peu irrité par la peinture de certains qui ne me plaisaient pas. Alors, pour blaguer, je dis un jour aux camarades, « Oh là 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 là, je vais envoyer une toile au salon et j'aurai plus de succès que vous tous avec ma toile. » Je ne savais pas du tout ce que je comptais faire. On m'a dit, « Mais tu racontes ça, tu ne feras rien. Comment je ne ferai rien, vous verrez. » J'ai cherché, puis j'ai eu une idée. J'ai dit, « Bon Dieu, si au lieu de peindre moi-même, ce qui serait mauvais, car j'étais mauvais peintre, si je faisais peintre le tableau par l'âme du Lapin Gilles, par Lolo, ça serait étonnant. Ce serait un succès. On révélerait la blague au dernier moment, ça ferait un scandale, c'est très bien. » Alors j'ai mis ça à exécution. Je me suis dit, mais il va falloir que ce soit certain, qu'on ne dise pas que c'est une blague. Alors pour cela, j'ai eu une idée. J'ai dit, tiens, je vais aller chercher un huissier qui fera un constat. Comme ça, on ne pourra pas en douter, ça et des photographies, ce sera formel. Je vais aller chercher un huissier, je me souviens, Faubon Montmartre. Il est venu, et devant lui, nous avons pris Lolo, l'âme du lapin, on a mis un pinceau au bout de sa queue, et puis on lui a apporté des carottes, on lui a apporté des feuilles de chou. Derrière lui, sur une chaise, on a posé une toile blanche. Et alors mon Lolo s'est mis à manifester sa joie en agitant sa queue et en badigeonnant la toile de rouge. Et après, on a changé le pinceau, c'était de vert, puis après c'était de jaune. C'était un barbouillage informe. Et Lolo continue. À la fin, il se lassait un peu, on était obligé de le stimuler en lui donnant à manger du tabac qu'il adorait. Enfin, finalement, quelque chose qui ressemblait vaguement à un tableau a été réalisé. Et alors j'ai dit à l'huissier, ben, mon cher maître, si vous voulez maintenant rédiger votre contrat, il l'a fait bien volontiers avec beaucoup d'esprit. Il a raconté qu'ayant fixé un pinceau à l'extrémité caudale du dit animal, il avait barbouillé une toile vierge de toute souillure et qu'on avait appelé ça « Le soleil se coucha sur l'Adriatique ». Et si je ne me trompe, c'était signé Boronali. Boronali, l'anagramme d'Ali Boron, bien entendu. Personne n'a vu mèche, personne n'a vu ce que cela cachait. Et le tableau, mon Dieu, a obtenu du succès. Un succès, pas tellement, ça ne changeait pas tellement d'autres toiles qui étaient accrochées à côté et qui ne valaient pas mieux. Mais le dimanche qui a suivi, j'ai fait paraître dans le journal Le Matin un article révélant la supercherie avec la photographie, disant ben, « ce tableau sur lequel les gens s'extasient, c'est le tableau peint par un âne ». Eh bien, le tableau a eu du succès. Je l'ai vendu. Et comme j'étais naïf, je le suis resté, comme j'étais naïf, au lieu de garder l'argent pour moi pour courir avec les filles, je l'ai vendu au profit de l'Orphelinat des Arts. Eh bien, c'est une bonne action, j'espère qu'il m'en sera tendu compte dans le paradis des artistes. C'est en effet vrai, et tu as vendu ce tableau, mais il y a un autre tableau dont je voudrais aussi te faire parler, et qui aurait pu ou qui pourrait être vendu, malgré ta modestie, je me permets de le dire, encore beaucoup plus cher que ton propre tableau. C'est un fameux tableau de Picasso dont on parlait aussi beaucoup à propos du Lapin Agile. Oh, dans la salle du Lapin Agile, il y avait un merveilleux tableau de Picasso qui représentait un arlequin qui ressemblait vaguement à Picasso lui-même, avec une femme avec un boa de plumes autour du cou et dans le fond Frédé qui grattait de la guitare. Ce tableau était très très beau. Frédé en avait eu le cadeau par Picasso qui manifestait là sa gentillesse, sa générosité. Au bout de quelques temps, les Picasso ont commencé à se vendre et mon Dieu, l'autre a tendu l'oreille, Frédé. Il a dit « Oh là là, mais c'est intéressant ça, il a vendu son tableau ». Il l'a regretté depuis amèrement, car le tableau qu'il avait vendu quelques dizaines de mille francs est monté à des centaines de mille francs, puis à des millions. Et mon Dieu, le tableau vaudrait plus cher maintenant que la baraque tout entière. Eh bien, c'était dû vraiment à Picasso, qui avait donné ça un soir par gentillesse à Frédé. On ne savait pas que c'était un chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre ne se découvrent qu'après. En parlant des peintres au Lapin Agile, et d'inégale importance, il faut bien le reconnaître, en matière de peinture, que ce soit Boronali ou Picasso, tu as, si je ne me trompe, introduit le sujet sur lequel je voudrais que porte notre prochain entretien, c'est que Montmartre a été à cette époque la patrie des artistes. Des faux, c'est vrai, parfois, mais surtout des vrais et des plus grands, et que de là est parti pour un grand voyage qui n'est pas terminé, l'art moderne et même l'art ultramoderne. C'est de cela, si tu veux bien, que nous nous entretiendrons la prochaine fois. Sans doute, car il y a parlé de tous les peintres qui ont passé par là. J'entends simplement les peintres de notre génération, du début de ce siècle, c'est-à-dire à part Picasso, c'est-à-dire Van Dongen, c'est-à-dire Dufy, c'est-à-dire Juan Gris, tous ceux qui succédaient à Renoir et aux grands prédécesseurs. Vraiment, on peut dire que Montmartre a vu naître l'art nouveau. Eh bien ça, en effet, j'en parlerai volontiers.
nous a dit ce que nous savions mal, mais que nous savions cependant, c'est que le Montmartre d'avant 1914 a été le berceau de la peinture moderne. Mais un berceau, ça se situe quelque part. J'ai beaucoup entendu parler d'une maison qui aurait été comme la maison mère de ce grand mouvement et qu'on appelait, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, au fond, moi-même, le fameux bateau lavoir. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du bateau lavoir ? Ah, le bateau lavoir, c'était une bien curieuse bicoque. Et d'ailleurs, on n'en parle pas au passé, c'est encore une curieuse bicoque car elle n'a pas changé. Pourquoi l'a-t-on appelé bateau lavoir ? C'est incompréhensible. Ça ressemble peut-être au bateau lavoir d'autrefois où on descendait par un escalier de bois, mais enfin, peu importe. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette bicoque est unique à Paris. Pense, on arrive par le rez-de-chaussée, comme dans toutes les maisons, en passant sur la place qui s'appelait place Ravignan et qu'on appelle maintenant place Émile Goudeau. On est donc au rez-de-chaussée. Eh bien, pour accéder aux ateliers, on ne monte pas, on descend. Et quand on a descendu et qu'on est dans l'atelier, notamment dans celui qu'occupait Picasso et qui est occupé maintenant par Guyot, le sculpteur animalier, eh bien, quand on est descendu d'un étage et qu'on regarde par la fenêtre, on est au troisième étage de l'autre côté. C'est une maison où on ne se retrouve pas, si bien qu'on ne sait jamais si un monsieur habite au rez-de-chaussée, au premier ou au deuxième ou au-dessous. Le miracle, c'est que cette maison tout en bois n'est pas flambée. C'est invraisemblable. C'est à croire qu'elle a été sauvée miraculeusement par Ignace de Loyola, qui, paraît-il, a habité tout à côté, au coin de la place, quand il était venu à Montmartre, où il a trouvé le chemin de la vérité, le chemin de la foi. Cette maison-là a vu passer tous les artistes qui comptent depuis 100 ans. Renoir y a travaillé, Gauguin y a travaillé. Et après eux, alors, il y a eu la grande série des fauves et des cubistes, c'est-à-dire Vandongen, Picasso, Juan Gris et les autres. Tous qui ont marqué leur passage dans cette maison, qui est devenue un lieu illustre de la peinture et qu'on cite toujours. Mais il n'y avait d'ailleurs pas que le bateau lavoir où naissait la peinture. Tout près de là, il y avait rue Tourlac, une cité d'artistes qui s'appelle Les Fusains, où opérait Derain, le maître des fauves. Et ailleurs aussi, rue Cortot, il y avait la fameuse maison de Rose de Rosimond, la plus vieille de Montmartre, où habitait autrefois Dufy et où habitait ensuite Valadon et son fils Utrillo, son terrible fils Utrillo. Mais vraiment, on peut dire que de toutes ces maisons, celle qui a marqué le plus de place, ça a été certainement le bateau lavoir. Mais est-ce que ce n'est pas au bateau lavoir qu'est né exactement le cubisme ? Et sinon, où est-il né et quel en est, au fond, le créateur ? Il y a plusieurs créateurs du cubisme. On oppose toujours Picasso et Braque. Il est certain que, je crois sincèrement qu'à l'origine, c'est Picasso qui a été le premier. N'est-ce pas ? Il y se crée dans la jeune peinture, chez ces jeunes artistes, un mouvement contre l'impressionnisme, la suprématie de la peinture, et puis aussi l'anecdote des salons officiels. On voulait abattre tout cela et créer un art nouveau. Alors ça s'exerçait dans deux sens, soit par les fauves, Derain et Vlaminck, ou au contraire, par les cubistes, qui avaient à leur tête Picasso. Comment a-t-il commencé à faire du cubisme ? C'est très disputé. On raconte qu'un jour il a exposé, où il a terminé une toile, où il représentant des caisses entassées, et qu'il avait dit « c'est le portrait de mon père ». Je ne crois pas que ce soit vrai. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un jour il a trouvé des statues nègres, qu'il a été étonné par ces objets bizarres, qui alors n'étaient pas du tout à la mode, et il s'est mis à crayonner toute la nuit des têtes de femmes dans la manière nègre, c'est-à-dire qui s'apparentait par ses grands traits, avec la manière cubiste qui allait naître. Le matin, son ami Mac Jacob, qui habitait plus bas rue Ravignan, est arrivé, le dit « Qu'est-ce que tu as fait là, Pablo ?» Et Pablo, irrité, lui a répondu « C'est le portrait de ma maîtresse. » Eh bien, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'il fallait un singulier courage à Picasso pour se lancer dans cette voie dont on ne voyait pas du tout l'aboutissement, on ne le voit d'ailleurs toujours pas. Eh bien, Picasso, à cette époque-là, avait eu de gros succès avec sa manière bleue, avec son époque bleue, avec son époque rose, avec ses arlequins, ses saltimbanques. Vraiment, il vendait toutes ses toiles avec succès, et succès mérité, et il se lançait dans un art nouveau qui ne pouvait que rebuter les acheteurs. Eh bien, il s'y est lancé pourtant avec foi, avec ardeur, démolissant tout ce qu'il avait créé. Et au début, il n'a pas eu beaucoup d'acheteurs, il déroutait tout le monde. La première, je crois, ça a été une Américaine, Gertrude Stein, qui a été étonnée par ses toiles et qui en a acheté un lot pour 800 francs, ce qui était une fortune pour l'époque. Après, comme marchand, il y en a un qui s'est décidé timidement. C'était M. Sago, un ancien pharmacien, qui arrivait chez les artistes avec les poches toujours bourrées de pastilles contre le rhume ou autre maladie. Et il a fait faire son portrait par Picasso.
Picasso travaillait et à la fin de la pose mettait le tableau contre le mur sans le montrer. Le modèle s'inquiétait un peu. Au bout de 3 jours, 4 jours, il dit à Picasso « Dites-moi, monsieur Picasso, qu'est-ce que ça devient ce portrait? Vous êtes content ?» Et Picasso lui a répondu « Oui, vous commencez à ressembler à mon portrait. » Eh bien, c'est un mot magnifique. Peut-être que Léonard de Vinci a tenu le même langage devant Mona Lisa. Vraiment, c'est un mot d'artiste. Il recréait le monde à son idée, il reformait le monde. Et ces toiles, à cette époque, qui ont d'abord fait scandale, ont bientôt séduit les quelques acheteurs, à commencer par Canveller, qui le premier s'est intéressé au cubiste, et il a continué. Il trouvait des encouragements autour de lui, mais surtout, naturellement, de la part de Max Jacob, qui admirait aveuglément tout ce que faisait Picasso, dont il disait « c'est mon Dieu ». Mais il était aussi soutenu par Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, qui était un grand critique de l'époque, et avant de devenir le grand poète et le grand écrivain qu'il est aujourd'hui, qui est reconnu aujourd'hui. Et il est certain qu'Apollinaire donnait aux artistes des conseils surprenants. Il avait écrit dans les Méditations esthétiques « On peut peindre avec des pipes, des timbres-poste, des cartes à jouer, des candélabres, des morceaux de toile cirée, des faux cols, du papier vert, du papier peint et des journaux. » Comme je lui disais, en somme, on peut peindre avec tout, sauf avec des couleurs. Eh bien, Picasso était fort de cette doctrine et continuait à peindre, non pas avec des morceaux de toile cirée, mais néanmoins, en appliquant parfois, il l'a fait bientôt, des morceaux de journal sur sa toile. N'est-ce pas ? C'était vraiment un art tout nouveau, un art déroutant. Et les quelques acheteurs amateurs qui se trouvaient, ils n'avaient pas beaucoup de chance, les peintres de l'époque, Picasso non plus, ni les autres encore moins. Eh bien, je dois dire tout de suite une chose, un nom qui me traverse l'esprit, comme si vraiment le personnage me poussait à dire son nom, c'est le père Angéli. Eh bien, cet homme était aveugle. Et malgré ça, il était amoureux de la peinture. Il n'aimait que la peinture, il ne vivait que pour la peinture. Et avec son peu d'argent dont il disposait, il achetait aveuglément, si je puis dire, il achetait aveuglément des toiles à tous les artistes. Eh bien, ce qui est à l'honneur des artistes de la butte, c'est que pas un ne l'a roulé en lui vendant une toile vierge. Le père Angéli, ça a fait une collection et elle a été vendue assez cher après sa mort. À part cela, qui y avait-il comme acheteur? Bon, il y avait les marchands en boutique en échoppe, comme il y en avait un place Pigalle, il y en avait un autre devant l'entrée des artistes du Cirque Medrano, le père Soulier. Il avait un entassement de toiles invraisemblable, jusque sur le trottoir. Il les vendait 40 sous, 100 sous, 10 francs, 20 francs rarement. Et souvent, des provinciaux ou des étrangers ou des touristes me disaient, sachant que j'étais Montmartrois, me disaient, bon, qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme peinture qui marche bien, qui soit intéressante? Je disais, n'hésitez pas, allez chez Soulier, place rue des Martyrs, ou chez celle qu'on appelait la Petite Merveille, Mademoiselle Veil, qui avait sa boutique encombrée rue Victor Massé, et acheter toute la boutique en donnant un billet de 1000 francs, il sera content. Alors on disait, mais non, si j'y vais, je choisirai ce que je veux. Non, si vous choisissez ce que vous voulez, vous avez mauvais goût, vous choisirez le plus mauvais, achetez tout, et c'est peut-être ce qui vous déplaît le plus qui montera. Ils n'ont pas écouté mes conseils, et la pauvre Merveille vivait misérablement, et le père Soulier n'arrivait pas à vendre ce qu'il avait. À cette époque-là, pour subsister, comme il n'avait pas assez d'acheteurs, eh bien, il y en a beaucoup qui faisaient des dessins dans les journaux. Van Longhain l'a fait, il a fait des numéros de l'assiette au beurre. Et Juan Gris faisait des dessins délicieux que je lui prenais au sourire dont j'étais malgré mon jeune âge de secrétaire de rédaction. Et avec cela, il vivait tant bien que mal. Mais Picasso, lui, n'a jamais voulu travailler pour les journaux. Il disait non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas mon travail. Il refusait de gagner de l'argent de ce côté-là pour se livrer entièrement, passionnément à la peinture. Et à côté de lui, il y avait, comme je vous le disais, il n'y avait pas que les cubistes, il y avait les fauves, il y avait Derain qui travaillait dans rue Tourlac à l'impasse des Fusains. Mais si tu me permets de t'interrompre, pourquoi les appelait-on les fauves? Les fauves, parce qu'un jour, un critique est entré dans la salle du salon d'automne. Et voyant des toiles très, très hautes en couleur, très violentes, il a dit « Tiens, Donatello dans la cage aux fauves ». Le nom leur était resté, ils étaient fauves. Et fauves, ils l'étaient aussi par leurs mœurs, par leurs habitudes. Eh bien, les deux plus violents, les deux créateurs de ce mouvement, ont été, avec Van Longhain, ont été Derain et son ami Vlaminck. Ils étaient copains depuis Chatou, où ils habitaient l'un et l'autre. Et mon Dieu, ils faisaient des extravagances. N'est-ce pas, Derain avait stupéfié quand il avait fait la Tamise de peinte couleur rouge et quand Vlaminck faisait des tableaux en entassant les couleurs les plus violentes, les plus terribles, les plus tragiques. Et cela déroutait tout le monde. Et les amateurs, mon Dieu, se moquaient de ça et dans les salons, on riait devant leurs toiles. Ainsi, un jour, au salon d'automne, un monsieur est venu, il a choisi deux toiles, une de Vlaminck et une de Derain. Il les a payés très bon marché.
Et quand je lui ai demandé pourquoi il les avait achetés, il a dit, ben voilà, il y a ma fille qui se marie avec un garçon qui prétend aimer la peinture, j'ai acheté ce que je trouvais de plus laid. Eh bien, s'il avait conservé ses toiles qu'il trouvait laides, il a dû les vendre très cher, qu'il pouvait faire une dot pour sa petite fille. Oui, tu parles de la fortune des marchands de tableaux qui a été en grande partie acquise par leur flair ou leur chance quand ils ont acheté pour moins que rien la peinture de ces peintres de Montmartre qui n'étaient pour, à leurs yeux, que des débutants et qui ont si bien réussi. Ne pourrais-tu pas nous parler un peu spécialement de quelqu'un qui a fait aussi la fortune des marchands de tableaux, non seulement par ses vraies peintures, mais même par les faux? C'est Utrillo, d'autant plus que la vérité, et même la encore plus la légende, ont consacré une espèce de sainte famille avec sa mère Suzanne Valadon et son beau-père André Uther, que tu as dû bien connaître aussi. Grand camarade. Eh bien, Utrillo, c'est un grand peintre, il n'y a aucun doute. Mais à l'époque, on ne le regardait pas comme un grand peintre, non seulement les marchands, non seulement les collectionneurs qui s'en détournaient, mais les peintres eux-mêmes. Pourquoi? C'est parce qu'on voyait en Utrillo un homme perpétuellement saoul. Alors l'ivrogne qu'il était empêchait de considérer, de regarder le grand peintre qu'il était aussi. Il a toujours vécu dans l'épouvante, Utrillo. Et dans ses derniers instants, cela continuait. Il était entré en religion, il faisait sa prière toute la journée en la faisant de travers d'ailleurs. Pourquoi? C'est parce qu'il craignait l'enfer, qui était vraiment la dernière maison de fous ouverte aux artistes, car il a été enfermé plusieurs fois dans des maisons de fous. Et il avait une peinture tragique qui exprimait vraiment son éternelle mélancolie, son éternelle angoisse. Ces rues, toujours dépeuplées ou seulement habitées par des femmes au gros postérieur, ces rues sont tragiques. En réalité, on peut dire d'Utrillo qu'il a été le portraitiste des maisons blêmes avec des yeux fermés. Vraiment, ces toiles-là déroutaient, mais lui continuait à peindre farouchement. Dans la rue, les enfants se moquaient de lui, il faisait cortège, renversait son chevalet. Quand il avait un chevalet, ce qui était rare, il plaignait plutôt sur ses genoux. Eh bien, à la fin, Utrillo a eu peur des gosses qui lui couraient après, lui jetaient des pierres. Il s'est mis à peindre chez lui d'après des cartes postales. Et il a fait des chefs-d'œuvre en reconstituant ces paysages de Montmartre qu'il aimait tellement. Il était né à Montmartre une nuit de Noël, ça ne lui a pas porté chance, et depuis il n'avait jamais quitté sa butte. Il a habité donc longtemps rue Cortot, dans la maison de Rose de Rosimont. Ensuite, il a habité un hôtel que sa mère avait acheté pour lui, l'avenue Junot. Et puis après, il s'est marié, il est allé habiter en banlieue. On ne peut pas dire que son talent ait cru avec les années. Il travaillait de plus en plus vite et de moins en moins bien. Il n'était plus possédé comme autrefois par cette folie de peinture qu'il habitait. Il ne regardait plus Paris en lui-même avec la même angoisse. Il avait perdu ce qui faisait l'essentiel de son génie, la crainte devant Paris. Oui, et est-ce que tu n'as sans doute pas voulu le dire, cette folie et ces moments si difficiles que son entourage a subis et... Peut-être pourrait-on dire un mot de sa mère et du beau-père, car ils ont joué un rôle dans l'ensemble difficile mais heureux pour Utrillo. Est-ce qu'elle n'était pas due surtout à sa soif? Oui, oui, on a dit beaucoup de mal de Suzanne Valadon et d'André Uther, mon vieux copain Uther, parce qu'ils étaient parfois durs avec Utrillo. Il faut se rendre compte de l'être insupportable qu'il était. Il était invivable, il ameutait les passants hurlant, il se livrait aux pires folies, on l'a arrêté plusieurs fois. On l'a conduit au dépôt, on l'a mis dans des maisons d'aliénés d'où il ressortait difficilement. Il est certain que Suzanne Valadon était un grand peintre, mais je crois en toute sincérité qu'elle ne croyait pas, surtout au début, tellement au talent de son fils. Elle croyait à son talent, à elle. Elle en avait un grand talent, surtout comme dessinateur. Elle avait débuté comme modèle, vous le savez. Elle avait débuté comme modèle. Elle avait posé pour Puget Chavannes notamment. Elle avait posé pour des sculpteurs et des peintres. Et sa peinture, je dois dire, j'en parle, vous voyez, péniblement, parce que je n'ai jamais beaucoup aimé la peinture de Valadon. En revanche, j'aimais beaucoup celle d'Utrillo. Mais lui, Uther et Suzanne Valadon ont eu le plus grand mal à faire vivre Utrillo, sagement ou à peu près. Ils s'enfuyaient pour aller habiter dans des coins impossibles. Et alors, il habitait notamment chez sergent de ville qui le payait en bouteilles de vin. Et d'ailleurs, à l'époque, n'est-ce pas, si les marchands de vin avaient su... Ils auraient tous proposé à Utrillo de lui donner à boire tant qu'il voulait, moyennant quelques bouteilles. Il aurait accepté, ça aurait fait le bonheur de tout le monde. Ils ont préféré garder leur vin. Ils ont eu tort, ils ont perdu des chefs-d'œuvre. Je ne voudrais pas que cette émission se termine à propos des peintres sur une note aussi triste. Et en plus,
Il faudrait montrer, ne fût-ce que pour faire la liaison avec bien d'autres sujets, que l'amitié des peintres se tournait très souvent à l'époque vers les hommes de lettres. Et si tu le voulais bien, tu pourrais nous dire quelques mots d'une amitié illustre et qui a laissé ses traces. C'est celle de Picasso et de Max Jacob. Picasso aimait beaucoup Max, c'est certain, mais Max adorait Picasso. Il ne voyait que par Picasso. Picasso savait s'entourer d'écrivains. Il y avait non seulement auprès de lui, il avait non seulement Max Jacob, mais il y avait naturellement Guillaume Apollinaire, qui était son grand conseiller. Il y avait aussi André Salmon, il y avait Pierre Macorlan, son voisin de palier. Il était toujours entouré d'écrivains. Mais il est certain que celui qui tenait la place essentielle, c'était Max Jacob, le délicieux Max Jacob. N'est-ce pas ? Il bouffonnait, Max. On croyait perpétuellement que sa vie était une blague perpétuelle. Il avait le génie de la blague, de l'imitation notamment. Il imitait le ténor en recherche d'un emploi. Il imitait un marchand de tableaux se promenant chez les peintres. Il imitait sa concierge, il imitait tout le monde avec un art infini. Et le bon Max était vraiment le bout en train du bateau Lavoir. Il faisait rire tout le monde jusqu'au jour où il l'a fait pleurer quand il est mort. Car vous savez, la façon tragique dont est mort Max Jacob, pendant l'occupation, il a été arrêté comme juif, lui qui était converti et qui allait à la messe tous les matins et qui servait la messe à Saint-Benoît. Eh bien, le pauvre Max a été transporté et il est mort à Drancy, tristement. Son souvenir me poursuit. Je lui ai donné un jour ce surnom qui, j'espère, lui restera, le bienheureux Max de Drancy. Il mériterait de revivre. Je crois que nous arrêterons aujourd'hui cette évocation de Montmartre et de cette époque, mais qu'il est vraiment utile d'avoir montré combien, au milieu de ce cadre si particulier, si pittoresque, au milieu de ce qu'on peut appeler la dernière bohème peut-être, et dont nous parlerons dans notre prochaine émission, était né et se développait avec une fantaisie qui était peut-être la vraie fantaisie et le vrai caractère de Montmartre, des talents aussi grands que ceux qui ont été évoqués aujourd'hui. Mon cher Roland, dans les deux émissions que nous avons déjà faites ensemble, j'ai été très frappé par un aspect qui les domine. Quel que soit le sort des hommes que tu as évoqués, dont beaucoup sont devenus des grands hommes, ou ont laissé de très grands noms, pas tous, mais beaucoup, ce qui m'a frappé, c'est la part de fantaisie, d'insouciance, qui a, pour la plupart, dominer la vie, ou tout au moins les débuts de vie de ces hommes. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce Montmartre d'avant-guerre, avec les hommes dont tu as parlé, était un Montmartre de la bohème? Autrement dit, n'y avait-il pas surtout une bohème de Montmartre, et est-elle bien différente des autres bohèmes qu'on a connues dans la littérature? Toutes les bohèmes de toutes les époques se ressemblent. Aujourd'hui encore, il y a des jeunes gens qui ne s'en doutent pas et qui mènent la vie de bohème. Les Chaunard et les Collines de maintenant, n'est-ce pas ? Eh bien, ils jouent de la guitare, et puis ils ont des cheveux qui tombent jusque sur les épaules. Ils ont une médaille d'or ou de 6 000 or au cou, n'est-ce pas ? Ce sont encore, ils mènent leur vie de bohème à leur tour, comme autrefois l'avaient mené les grands d'autrefois, comme le Gérard de Nerval a mené la bohème sur la butte. Et il a été soigné là-haut, dans la maison du docteur Blanche, pour aller un jour se suicider, comme vous le savez, là-bas, à la place du Châtelet, sur l'emplacement de la loge du Souffleur aujourd'hui. Et bien, il est certain que cette bohème-là n'était pas encourageante, la nôtre n'était pas plus brillante, mais heureusement, il y avait l'insouciance qui nous habitait. Tout le monde, on ne se croyait pas tellement appelé soi-même à un grand destin, mais chacun était persuadé que son camarade arriverait. On disait, toi, tu seras le grand pain de la génération, toi, tu seras le grand romancier, toi, tu seras le grand poète. Et pour beaucoup, ma foi, c'est devenu vrai. Et bien, c'est cela qui nous a aidés à passer les mauvais jours. C'est la confiance que nous avions dans les camarades et la confiance qu'ils avaient en nous. Cela nous portait véritablement. Maintenant, il y en a qui sont arrivés, il y en a d'autres qui ont échoué, c'est le sort humain. Je m'amusais dernièrement, me promenant dans Monte-Carlo, de m'arrêter devant la maison de Van Longen, qui habite un joli petit hôtel sur le haut de Monte-Carlo, qu'il appelait, en reconnaissance de ses années de jeunesse, le bateau Lavoir. Les touristes qui passent se disent « Qu'est-ce que ça veut dire, le bateau Lavoir ?» Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la peinture et l'histoire de Montmartre disent « Qu'est-ce que ça vient faire ici ?» Mais c'est le gîte d'accueil
du grand fauve qui était Van Ongen et qui est resté Van Ongen, eh bien, il n'oublie pas ses débuts qui pourtant ont été douloureux, car Van Ongen, à l'époque, pour manger et pour faire vivre les siens, pour faire vivre sa femme et sa fille, a fait tous les métiers. Il a déchargé des caissons au hall et il a vendu les journaux sur les boulevards extérieurs. Il faisait n'importe quoi pour gagner sa vie et il le faisait courageusement comme tous les copains de là-haut. Certains ont réussi, d'autres sont tombés en route. Eh bien, je pense plus volontiers d'ailleurs à ceux qui sont tombés. Je pense que le sort est injuste, qui n'a pas sauvé quelques-uns, qui avaient du talent aussi, mais qui n'ont pas eu leur heure de chance. D'autres, au contraire, n'ont eu que la mauvaise chance. Et quand je me retourne vers ces années de bohème et je fais le compte de tous les personnages dont j'ai cité, j'établis une petite liste assez décourageante. Sur tous les écrivains, j'ai nommé 80 noms d'artistes dans le bouquet de bohème. Eh bien, sur ces 80, 12 sont devenus célèbres. 12 ont eu un certain renom. Mais en regard, je trouve 5 suicidés, 2 assassinés, 2 morts au cabanon et 9 à l'hôpital. Avouez que c'est assez décourageant. Mais on ne se décourage pas quand on a 20 ans. Et les gens menaient une vie de misère le plus joyeusement possible. Je me souviens d'une époque où les camarades se chauffaient avec des pavés de bois qu'ils allaient voler sur les boulevards extérieurs, qu'on pavait à ce moment-là en bois. Ça faisait une fumée horrible, c'était désagréable, on toussait, c'était terrible. À côté de ça, il y en a d'autres qui, pour se nourrir, achetaient un morceau de boudin qu'ils faisaient griller dans une maison. La misère était le pain quotidien de beaucoup. Je me souviens d'un pauvre garçon qui était toujours coiffé d'un bonnet de fourrure car il grelottait, qui mettait des mitaines pour jouer au du piano au Lapin Agile. Ce malheureux garçon rêvait depuis des années d'écrire un Prométhée qu'il voulait destiner à l'opéra. Mon Dieu, il ne vivait pas, il ne mangeait pas. Mais il pensait à son Prométhée. Faute d'avoir un piano, il avait emprunté une guitare. Et il jouait de la guitare toute la journée. La guitare chère au cubiste. Eh bien, il jouait de la guitare pour accompagner son Prométhée. Puis un jour, il a eu besoin d'argent. Et il est allé mettre au clou, au Mont-de-Piété, la guitare qu'il avait empruntée. Alors, quand il a rencontré le pic, pas du Moulin de la Galette, quand il a rencontré le possesseur de la guitare, l'autre lui a couru après en criant « au voleur !» et lui s'est sauvé comme il a pu. Et bien maintenant, malgré moi, quand je pense à Prométhée, ça n'est pas l'idée d'Eschyle qui me vient à l'esprit, c'est simplement un bonhomme qui se sauve pendant qu'on crie au voleur derrière lui. Ça paraît comique à distance, mais à l'époque, c'est beaucoup moins gai. Il y a un des nôtres de Montmartre à l'époque, Pierre Macorlan, qui a conservé un horrible souvenir de Montmartre dont il dit le plus grand mal. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a connu que des jours de misère. Les autres, il les a oubliés. Eh bien, nous pensons surtout à nos jours de gaieté et ils ont été nombreux. Puisque tu parles des jours de gaieté, je voudrais te mettre sur un terrain qui t'a séduit à l'époque. C'est le terrain des mystifications dont vous étiez coutumier, toi en particulier. Nous a raconté celle de Bournali, mais il y en a bien d'autres. J'en ai fait d'autres. Il n'y en a qu'une dont je suis assez fier. Un jour, j'étais allé derrière le Moulin de la Galette, en haut de l'avenue Junot, chez le sculpteur Buzon qui vient de mourir. Le sculpteur Buzon. Et je vois dans son jardinet, devant son atelier, une petite tête de pierre qui était ravissante. Simplement, le nez était cassé. Il avait donné un coup de ciseau malheureux et le nez avait cassé. Je dis à Buzon, mais dis donc, mon vieux, c'est un chef-d'œuvre ta petite tête, là. C'est ce que tu as fait de mieux, mon vieux. Il dit, ben oui, tu vois, je l'ai raté. Malheureusement, j'ai eu un éclat, là. Ah, tu me dis, c'est pas suffisant. Ça fait un bel antique, ça. Veux-tu me le donner? Je vais l'exposer au Louvre. Il croit que je blague. Il me dit, enfin, prends-le si ça t'amuse. Je suis allé au Louvre et j'ai repéré un endroit aux antiques et j'ai copié l'étiquette sur le même carton doré. J'ai écrit sur cette étiquette « Tête de divinité, fouille de Délos ». J'y suis allé un matin avec une belle amie qui avait un grand manchon où elle avait caché la tête. On a posé la tête. Elle est exposée sur en bonne place où elle est restée pendant 15 jours. Les gens regardaient, m'ont dit, trouvaient que cette tête est très très belle, ils avaient raison. Et puis au bout de 15 jours, je suis venu avec un photographe du journal Excelsior, pour qui je travaillais. Et puis j'ai enlevé cette tête en criant, mais c'est un faux, ça, c'est affreux, ça se voit que c'est moderne, enfin, il faut être bête comme un conservateur du Louvre pour pas s'en apercevoir. Les gardiens sont arrivés, on a fait scandale, j'ai dit, je vais l'emporter pour la dignité du Louvre, ça, il ne faut pas que ça soit là. Alors on m'a amené au commissariat. Au commissariat, j'ai dit, mais je demande à voir mon nom sur une plaque, je suis un bienfaiteur du Louvre. Il y a la collection Commando, je veux qu'il y ait la collection d'Orgelès, n'est-ce pas? Il faut absolument cela. J'ai absolument le droit d'avoir. Eh bien, je n'ai jamais pu dégager ma tête de divinité fouille de Mélos. Et aujourd'hui, elle doit être encore dans les réserves du Louvre. Peut-être qu'un jour, on la ressortira. Et grâce à moi, un Montmartre III de 1900 et quelques sera entré au Louvre pour la première fois. Cette histoire-là et celle de Bournali que nous avons entendue l'autre jour rendraient bien sceptique si on ne l'était pas déjà sur les jugements des critiques d'art et même, j'ose le dire, sur la valeur absolue des œuvres d'art. Mais
Le Louvre me paraît être un de tes théâtres familiers d'occupation, car mais je crois me rappeler une autre histoire qui s'est passée dans le Louvre. Si j'osais tout avouer, mais j'ai peur d'être entendu par des milliers d'oreilles à la radio. J'étais monté contre les conservateurs du Louvre pour une raison toute personnelle et qui n'avait rien à voir avec les arts. J'étais amoureux de la femme d'un conservateur du Louvre. En toute justice, c'est lui qui aurait dû m'en vouloir, et non pas moi, mais enfin, les jeunes gens sont ainsi faits que je haïssais le mari heureux de cette personne, et en gagnant, je haïssais tout son entourage, c'est-à-dire les conservateurs. Un jour, je me promenais au Louvre, c'est l'époque où on posait des glaces devant les tableaux pour éviter qu'ils ne soient abîmés, et j'aperçois le portrait de Rembrandt vieux par lui-même, un chef-d'œuvre que vous connaissez, très noir, très sombre. Et je m'aperçois qu'avec la glace, on ne voyait plus du tout le tableau, on se voyait soi-même, ça devenait un miroir. J'en ai profité, je suis revenu toujours avec un photographe comme témoin, et je me suis fait la barbe devant le tableau de Rembrandt avec un pilleté. Un garçon avait apporté une petite table pliante, on m'avait apporté ce qu'il fallait, une cuvette et tout, et je me suis mis à me raser. Là encore, les gardiens sont accourus, les étrangers qui visitaient le musée, moins nombreux qu'aujourd'hui, se sont précipités et s'est entouré par la foule que j'étais mené, nous, une fois plus, au commissariat. Pourtant, j'avais eu raison, car les tableaux n'étaient plus visibles ainsi présentés. J'avais raison, mais on m'en a mis longtemps à me donner raison. Et à l'époque, on m'a blâmé. On m'a blâmé aussi, et c'est au moment du vol de la Joconde. J'avais fait tellement de blagues au Louvre qu'à un moment, on m'a soupçonné d'avoir volé la Joconde. Et des journalistes sont venus chez moi en me disant « Dites donc, mon vieux, si c'est toi qui as fait le coup, dis-nous-le, qu'on fasse un article, enfin, donne-nous l'avantage. » On m'a soupçonné ça, j'étais innocent pour une fois. Eh bien, mon Dieu, j'avoue que j'ai regretté d'avoir été innocent, car ça aurait été un fameux canular. Ça, c'est la bohème des canulars, et elle est vraiment plaisante. Mais tu as fait allusion tout à l'heure, et cela m'a non pas étonné, mais inquiété. Tu as fait allusion à ceux qui, n'ayant pas réussi ou étant tourmentés par des malheurs personnels, se sont suicidés. Ne pourrais-tu pas nous parler de ces faits qui t'ont frappé et, par exemple, du fameux Pachin que tu as connu également. Pachin est d'autant à combien qui se sont suicidés, je vous l'ai dit. Et le premier de la série, c'était Wiggels, un Allemand qui s'est pendu au bateau Lavoir. On n'a jamais su pourquoi, sans doute pour une affaire de drogue. Son enterrement, d'ailleurs, a été la chose la plus comique qui soit. Tout Montmartre était venu. Comme il n'y avait pas de famille, c'est Frédé du Lapin Agile qui a conduit le deuil. Il avait endossé pour cela un costume de velours blanc, avec son serre-tête de rouge sur la tête. Ça faisait un curieux effet. Et la foule regardait avec stupeur défiler ce singulier cortège. Il y avait là des tas de gens, dont Modigliani, je me souviens, qui était dans le cortège. Vraiment, cette personne n'avait été enterrée plus drôlement. Mais depuis, il y a eu d'autres suicidés. On ne les compte plus. Mais celui dont le souvenir me poursuit, je crois... C'est surtout Jacques Vaillant. Jacques Vaillant était un peintre qui habitait le bateau Lavoir, au rez-de-chaussée, sur la place. Eh bien, Jacques Vaillant était un excellent peintre. D'autre part, il était très beau garçon. Il vendait convenablement sa peinture, il avait quelques moyens. Il vivait très heureux. Puis, mon Dieu, après, la roue a tourné. Il est parti pour la guerre qu'il a faite héroïquement. Il est revenu. Sa peinture, très classique, ne se vendait plus du tout. Il a essayé de faire moderne lui aussi, à l'exemple de Picasso et des autres qui habitaient la maison. Il n'a pas réussi. De plus en plus, il est dégringolé. Il est devenu correcteur de photographie dans un journal, puis découragé et sans cesser de rire, car il était la gaieté de Montmartre. Il est rentré chez lui, a pris son revolver d'officier, s'est fait sauter la tête. Ce que les Allemands n'avaient pas pu réussir, il l'a réussi tout seul. Eh bien, Jacques est donc mort oublié. Et combien d'autres? Je pense à un malheureux qui habitait aussi tout à côté du bateau Lavoir, Pierre Dumont, qui était un peintre excellent, un peintre magnifique. Eh bien, lui, ne s'est pas suicidé, c'est pire, il est mort fou. Il y en a combien comme cela qui ont connu ce malheureux sort? J'aurais souhaité pour eux qu'ils allassent tous faire entendre leur messe à Saint-Pierre de Montmartre, la vieille église de là-haut. Elle était admirable. C'est l'église, disons-le, la plus ancienne de Paris, quoi qu'on prétende. C'est plus ancien que Notre-Dame, plus ancien que Saint-Germain-des-Prés, plus ancien que Saint-Julien-le-Pauvre. C'est la plus vieille église de Paris et la plus émouvante, la plus touchante. Eh bien, il y a peu d'artistes qui, malgré tout, y ont été enterrés et aucun ne repose au cimetière Montmartre, qui est pourtant le plus beau cimetière de Paris. Je vous conseille d'y aller. C'est un fouillis d'herbages, de feuilles, de dalles funéraires qui entrent dans le sol où des noms historiques sont gravés. Et il y a les plus grands noms de l'art mondial de France qui y figurent, mais aussi les noms des plébéiens de là-haut, des meuniers, des marchands de vin, des carriers. Et il y a surtout la tombe des meuniers de Montmartre, les Debray. Vivez donc sur l'actuel moulin de la Galette,
où depuis on ne moue plus de blé, mais on moue des chansons. Eh bien, au moulin de la Garette, il se trouvait là en 1814, quand les Cosaques sont arrivés. Les Russes, allant montant sur la butte, ils ont décidé de défendre la butte. Ils se sont servis de 4 canons qu'ils ont armés comme ils ont pu et ils se sont mis à tirer. Ils ont été tués à leurs pièces. Et le dernier a été massacré par les Cosaques. Son corps a été coupé en 4 morceaux qu'on a accrochés sur les ailes du moulin et on a vu tourner sur les ailes, au-dessus du ciel de Paris, les 4 membres du pauvre meunier de Montmartre, du pauvre Debray. Sa femme a enveloppé le soir ses membres dans une couverture, est allé les porter au cimetière Montmartre, et c'est aujourd'hui qu'ils reposent là-haut. Je regrette que tous les artistes de Montmartre n'y reposent pas à leur tour. Ça aurait été pour eux le dernier voyage. Ils auraient eu leur messe célébrée par le bon curé Patureau, car rien ne manquait dans notre village, pas même un curé. Et le père Patureau célébrait les mariages, célébrait les enterrements, célébrait les baptêmes. Et il disait, c'est entendu, je n'ai pas beaucoup de fidèles qui viennent à la messe le dimanche, mais je les trouve tous le dernier jour à l'enterrement. Il les a tous menés, il en a mené combien, tous les artistes de là où ont passé par chez lui. Eh bien, j'adresse aussi un souvenir ému au père Patureau. Tu viens de nous donner une chronique de ce Montmartre très émouvante, très amusante aussi, en tous les cas très riche, et qui donne à peu près tous les aspects de la vie que l'on trouve aux différentes pages et même aux différentes colonnes d'un journal. Car ce qui m'a frappé pendant cette émission, c'est au fond l'aspect et les qualités journalistiques que, à cette époque, tu démontrais déjà, ne fût-ce que dans la publicité que tu donnais à tes acrobaties au musée du Louvre. Et je crois que nous pourrons, dans notre prochaine émission, raconter ou faire raconter à Roland Dorgelès ce qu'était le journalisme d'avant-guerre, qui n'était pas fait que par des Montmartrois, tant s'en faut, et le petit rôle, amusant mais déjà curieux, qu'il y a joué sous les auspices d'un patron célèbre qui s'appelait Clémenceau. Cher Roland, dans les émissions précédentes, nous avons surtout parlé de Dorgelès vivant à Montmartre, entouré par Montmartre, enveloppé par l'atmosphère montmartroise et entouré d'artistes, d'écrivains qui ont fait leur chemin, mais qui tous avaient cette particularité d'être empreints de la fantaisie, de l'esprit, de la liberté, de ce qu'était le Montmartre de l'époque. Je voudrais bien aujourd'hui aborder ou introduire le Roland Dorgelès que nous avons surtout connu, qui fut l'écrivain non seulement des Croix de Bois, mais de tant d'autres livres, et comment, de ce Montmartre de liberté et de fantaisie qu'il nous a décrit avec tant d'humour et de fantaisie précise cependant, comment il est entré dans le monde des lettres et comment il est devenu un écrivain, par quelle voie et quand? Eh bien, je suis entré dans la littérature par la porte la plus modeste, par celle du journalisme. Et du journalisme le plus modeste, par celle du petit reportage. Je voulais être homme de lettres ou artiste peintre. Mais à l'époque, c'était pas ainsi, n'est-ce pas? Garder ce métier de travers. On décida que j'entrerais aux arts décoratifs pour faire un architecte. J'ai travaillé 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, en pure perte, car je n'étais pas du tout doué. J'étais un très mauvais architecte. Je dessinais gentiment et c'est tout. Alors, je voulais m'en évader. C'est alors que, providentiellement, si je puis dire, un ami de mon père, qui dirigeait une agence d'information pour les journaux de province, est tombé malade. Il a demandé quelqu'un pour le remplacer. Eh bien, on m'a désigné, j'y suis allé. C'était stupéfiant. Quand je pense que pour mes débuts, on m'a chargé de faire le compte-rendu de la Chambre des députés. Chambre des députés, je savais bien que c'était situé sur les quais, mais à part ça, j'étais incapable de reconnaître un radical d'un socialiste unifié. J'ignorais tout de la politique. Je suis entré dans cette salle abasourdie et ce que j'en ai vu ne m'a pas donné un grand amour de la politique. Après, j'ai continué dans d'autres journaux et j'ai passé par tous les échelons. J'ai fait la chronique judiciaire, j'ai fait la chronique du Parlement, j'ai fait les faits divers, les chiens écrasés, j'ai fait les grands procès, j'ai fait de la chronique des théâtrales, j'ai fait le mouvement social, j'ai passé tous les échelons. Et c'est une excellente école pour un écrivain.
En effet, qu'est-ce qu'un jeune homme qui se lance dans la littérature a à raconter? Il ne connaît rien que son milieu social, son milieu familial, et c'est tout. Tandis qu'avec le journalisme, on approche tous les milieux. On découvre les êtres à l'instant capital de leur existence. Le banquier, à l'instant, il veut arrêter. La femme, le lendemain du jour où elle vient de tuer son mari. Enfin, c'est toujours dans une heure capitale. L'homme ne s'invente pas, il s'observe. Eh bien, le journalisme permet d'observer les hommes. Eh bien, c'est ce que j'ai fait pendant des années, je m'en trouve très bien. C'est un métier magnifique, merveilleux, mais épuisant que celui de journaliste. Tu viens de parler des difficultés et de l'importance de la tâche du journaliste en tant que métier. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, et ce serait intéressant pour tes auditeurs, le but que le journaliste peut s'assigner lorsque, dans une presse d'opinion, qui était la presse de l'époque, surtout beaucoup plus qu'aujourd'hui, les journaux se décident ou invitent leurs collaborateurs à faire des campagnes polémiques ou non, utiles, ils l'espèrent. Est-ce que tu n'as pas participé à des campagnes? Je ne m'attendais pas à ta question, mais aussitôt il y a un visage, un nom qui me vient à l'esprit. Un instituteur de près de Pontoise, du petit village d'Épluche, il avait été condamné pour attentat aux mœurs, une très sévère condamnation. Eh bien, je suis allé faire campagne et, dans des conditions tellement scabreuses que je ne peux pas les rapporter, j'étais sûr que cet instituteur était innocent. Nous avons commencé la campagne et nous l'avons fait gracier. Nous lui avons sauvé la vie. Cet homme, depuis, m'envoyait tous les ans une carte pour me remercier. Il a dû partir pour la guerre, je n'ai plus reçu de mot. Sans doute l'instituteur innocent était-il tombé au champ d'honneur. C'était une triste réhabilitation. Tes campagnes n'ont pas été, malheureusement pour les intéressés, toujours aussi fructueuses et déterminant les sauvetages de vies humaines. Tu as certainement eu des sujets plus frivole et plus humoristique à ton actif. Est-ce que tu ne pourrais pas en évoquer? Oh, je pourrais en évoquer beaucoup. Car j'ai toujours eu pour devise, tout est grave, rien n'est sérieux. À l'époque, je m'affectais de me moquer de tout. Je me promenais dans la vie avec un visage triste et une mèche en berne sur le front, et je répétais, j'ai le cafard, ce qui était vrai. Mais je m'en consolais en menant des campagnes absurdes et qui m'amusaient beaucoup. À un moment, je me rappelle avoir ouvert dans un grand périodique une enquête sur les petites annonces. Les petites annonces m'indignaient par leur caractère. Je trouvais ça ridicule. Ces annonces de mariage, surtout, me rendaient malade. Alors j'ai décidé un jour de faire passer une annonce, ou plutôt deux insertions, dans les offres de mariage. Une d'un homme, l'autre d'une femme, qui disait, en résumé, qu'il cherchait une amitié solide, une affection sérieuse, une affection durable, n'est-ce pas ? Que la personne en question, homme ou femme, avait une très grosse fortune et qu'elle n'exigeait rien comme argent du parti qui se présenterait. J'ai reçu un nombre considérable de lettres, c'était répugnant. J'ai entretenu avec une correspondance et pour les punir, je les ai tous réunis dans un café de la place de la Bourse un dimanche, en donnant que les femmes devaient arriver avec des œillets à la main et les hommes avec un journal ou le contraire. Ça a été affreux. Ils étaient 5, 10, 15, 20, ils étaient bientôt 25, qui se regardaient avec des yeux de chien de faïence. Ça a été point, et finalement, je crois qu'ils se sont battus entre eux. Mais ça ne m'a pas suffi. J'ai voulu démontrer la nocivité des petites annonces en montrant qu'on pouvait trouver dans les petites annonces même un assassin. J'ai fait passer donc une publicité disant qu'on recherchait pour une besogne délicate, particulière, mais très bien payée, quelqu'un de résolu. J'aurais dû se méfier devant une telle annonce, mais pas du tout. J'ai reçu 50 réponses de gens qui disaient qu'ils mettaient leur force à ma disposition et leur courage et tout. Alors là, j'ai éclairé un peu ma lanterne. Ils donnaient leur adresse. Moi, je faisais adresser mon courrier prudemment en poste restante. J'ai dit qu'il s'agissait d'une besogne vraiment très difficile, mais qui ne représentait pas 30 dangers si on prenait des précautions. Qu'il s'agissait d'aider une famille ennuyée. Je citais le chiffre. Je donnais 10 000 francs, c'est-à-dire 3 millions de nos anciens francs. Aussitôt, j'ai reçu des acceptations, j'en ai reçu 20. Il y avait quelques-uns qui étaient restissants et qui demandaient des renseignements, d'autres qui menaçaient de me dénoncer à la police. Mais finalement, par des tris successifs, je n'en ai eu plus qu'une dizaine, à qui j'ai écrit qu'il s'agissait de tuer une femme, une vieille femme, qui vivait seule dans une villa des bords de la Seine à Asnières, qu'il n'y avait pas de chien, que la personne vivait seule, et qu'on touchait les 10 000 balles aussitôt que le coup accompli. Eh bien, j'ai reçu 6 lettres d'acceptation. J'ai donné rendez-vous à ces gens-là dans un café au coin du boulevard Rochechouart et de la rue de Steinkerque. Eh bien, la preuve que c'était six gaillards bien décidés à tuer, c'est que pas un ne m'a dénoncé, comme je pouvais le croire. Je pouvais m'attendre, s'il m'avait dénoncé, à être cueilli par deux inspecteurs. Pas du tout. Il y avait dans cette salle au moins 6 assassins. Ça a permis au matin de faire une campagne contre son concurrent, le journal, en dénonçant l'ignominie des annonces de celui-ci, alors qu'il publiait à peu près les mêmes. Et les journalistes à l'époque n'étaient pas protégés comme à présent, par des lois, par des décrets.
Ils étaient payés chichement 150 ou 200 francs par mois et parfois 2 sous la ligne. Il fallait vivre avec cela. Leur avenir n'était pas assuré. Il n'y avait pas de maison de retraite. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus favorisés. Et les conditions même du métier sont changées. À l'époque, les aînés vous disaient, surtout quand tu vas interviewer quelqu'un, ne prends pas trop de notes. Ça paralyse celui que tu interroges. Il n'ose plus parler, il n'ose plus rien dire. Il se tait. Il fallait donc l'interroger, se souvenir de ce qu'il avait dit et arriver dans l'escalier, transcrire vite les propos essentiels qu'il avait tenus. Cela vous jouait des tours. Ainsi, je me souviens, un jour, étant allé interviewer l'ambassadeur de Turquie, j'avais quelque 20 ans. Il m'a parlé de la question de la Crète, qui était importante à l'époque, et de la baie de la Sud. Je vous jure, toi, ça ne t'étonne pas, mon cher Jacques Meyer, parce que tu es agrégé d'histoire et de philosophie, tu devais savoir ce que c'était que la baie de la Sud. Moi, je l'ignorais complètement. J'ai pris servilement ce qu'il m'avait dit. Je l'ai copié aussitôt, n'est-ce pas, et j'ai fait mon article. Ça a soulevé un scandale. Il y a eu une protestation de l'ambassade d'Angleterre. Il y a une demande d'explication de l'ambassade de Grèce. Mon Turc a été affolé. Il m'a démenti. Et mon Dieu, entre la vie d'un ambassadeur et la vie d'un petit reporter, on n'a pas hésité. C'est à moi qu'on a donné tort. Pourtant, j'avais raison. Il est vrai qu'en dehors des campagnes graves, comme celles que tu as racontées, comme aussi des interviews sérieuses, peut-être un peu trop sérieuses pour toi, tu l'as reconnu, donc qu'on te confiait, comme celle sur la Turquie, tu as eu aussi l'occasion de faire des campagnes plus souriantes, plus humoristiques. Et si je ne me trompe, car je l'ai lu et tu me l'as raconté, tu as eu l'occasion de t'occuper beaucoup du musée du Louvre. J'aimerais bien que tu me rafraîchisses la mémoire à ce sujet. Oui, eh bien, pour tout avouer, et je devrais être prudent car je suis entendu par beaucoup d'oreilles, mes campagnes contre le Louvre n'étaient pas dictées uniquement par l'amour des beaux-arts. Pour aller jusqu'au bout de ma confession, j'étais amoureux d'une jeune femme blonde qui avait des bontés pour un important fonctionnaire du musée du Louvre. Ça m'avait donné l'horreur de tous les fonctionnaires du Louvre et j'étais décidé à jouer tous les tours. J'en ai joué de terribles. Par exemple, je me suis amusé un jour à aller me raser devant le portrait de Rembrandt par lui-même. En effet, on avait eu l'idée à ce moment-là de couvrir les tableaux par des glaces sous prétexte de les protéger, si bien que les tableaux à fond sombre, comme c'était le cas pour l'autoportrait de Rembrandt, devenaient des miroirs et qu'on pouvait s'y regarder mieux que dans une glace, alors qu'on ne voyait plus du tout le tableau. Je suis donc allé là-bas avec les garçons d'Excelsior qui portaient la table, la cuvette et tout l'attirail. Je me suis mis en robe de chambre et je me suis mis à me badigeonner. Ça a été un scandale dans le Louvre, les gens accouraient de toutes les salles, les gardiens s'opposaient à arriver. Je les menaçais de mon rasoir, je vais vous couper, attention. Finalement, on m'a arrêté, comme je l'espérais. Arrivé au poste, j'ai dit, mais pardon, mais je n'ai fait rien de mal, moi. Il y a des glaces, c'est pour s'en servir. Vous avez transformé les galeries de peinture en espèce de salle de bain. Eh bien, je les utilise comme elles doivent l'être. Enfin, finalement, comme ils ont senti que j'étais journaliste, on m'a relâché. Et j'étais tranquille pour cela, ce jour-là. J'ai fait tellement de blagues au Louvre qu'un jour, en cours de mes articles, je disais triomphalement, ce musée si mal surveillé que le jour où l'envie m'en prendra, eh bien, j'emporterai chez moi le sac de Napoléon ou les noces de Cana. Eh bien, j'avais eu tort de... grand, quand même. Un peu encombrant, il faut pas venir. Enfin, j'avais eu tort de blaguer ainsi, car le jour où a disparu la bœuf de la Joconde, on a dit, c'est cet animal-là, cet animal de jeune reporter qui avait la blague. On m'a soupçonné d'avoir pris la Joconde. La police est venue chez ma concierge pour poser des questions. Et une rédactrice de l'Intransigeant est venue me dire, je vous en prie, Roland, si c'est vous qui avez fait le coup, dites-le-moi, je vais avoir un papier magnifique. J'étais totalement innocent. Eh bien, la Joconde a été retrouvée, mais bien longtemps après. Seulement, il fallait une victime, il fallait un responsable pour expier ce forfait de l'enlèvement d'un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? On a fait des enquêtes inutiles, on n'a déplacé personne, on n'a condamné personne, le secrétaire d'État n'a pas été félicité, c'est tout juste, mais on a trouvé une victime, un malheureux gardien qui était là depuis 30 ans. Eh bien, on l'a révoqué et il est mort en 3 mois de chagrin. C'était la dernière victime de Mona Lisa, elle doit en sourire encore dans son cadre. Le Louvre t'a beaucoup inspiré, mais comme tu nous l'avais expliqué, l'occasion, la raison de ces campagnes était peut-être assez personnelle et assez futile. Tu as eu l'occasion pourtant dans tes nombreuses pérégrinations journalistiques, car tu as été dans des tas de journaux, même dans certains, on t'en a renvoyé, si je ne me trompe, mais tu as été dans un journal dont je voudrais bien que tu dises quelque chose, parce qu'il évoque un monde qui est inconnu des jeunes aujourd'hui. C'est un journal qui s'appelait L'Homme Libre et qui avait pour patron Clémenceau. J'ai été présenté à Clémenceau par un âne. Ça peut paraître extraordinaire, extravagant, mais c'est la vérité. C'était peu après la blague que j'avais faite du tableau de Boronali, ce tableau peint par la queue d'un âne, l'âne du lapin agile, n'est-ce pas, dont toute la presse avait parlé. François Albert, le futur grand maître d'université, futur ministre d'instruction publique,
qui était collaborateur de L'Homme Libre, avait dit à Clémenceau, il y a un homme qu'il faut que vous preniez, c'est un jeune Roland Dorgelès, il vous fera des échos épatants, des articles merveilleux, etc. Il avait raconté des histoires imméritées sur moi. Clémenceau était assez réticent, il se méfiait d'un jeune homme, il n'était pas emballé. Et Albert a eu l'idée heureuse de lui dire, c'est lui qui a fait cette blague de Boronali, vous savez, l'âne qui a peint avec sa queue. Oh, il dit ça, c'est merveilleux, a dit Clémenceau. Oh, que c'est drôle, oh, qu'il est drôle ce garçon, amenez-le-moi. Et grâce à la recommandation de Lolo, l'âne du lapin agile, j'ai été pris par Clémenceau. Et j'ai mené là une vie agréable. J'écrivais des échos, des petits articles, j'ai introduit Carco comme critique d'art. On y avait une grande liberté. Là, je ne faisais plus du reportage, tandis qu'ailleurs, j'ai fait du reportage. Je l'ai fait vraiment difficilement et j'ai été mêlé à toutes les grandes affaires. Dernièrement, j'entendais parler dans la presse, on reparlait de nouveau de la fameuse affaire Stenel, cette femme qui fut accusée de la mort de son mari. Et j'ai appris qu'un grand avocat, Maître Floriot, accusait nettement Madame Stenel, qui pourtant a été acquittée, reconnue innocente, il l'accusait du crime. Je puis l'assurer, moi qui ai suivi l'affaire de près, que ce n'est pas vrai. Madame Stenel était innocente, elle savait qu'il y avait commis le crime, mais elle n'y avait pas été mêlée, n'y avait fait qu'y assister et n'avait pas voulu, pour des raisons sentimentales, dénoncer le véritable meurtrier. C'est ma version et je la crois bonne. Mais tout dans ces affaires-là était curieux. Ainsi, on parle de la difficulté du métier de journalisme qui consiste à demander à un monsieur à quel âge a été déflorée sa fille ou à quelle date remonte sa dernière banqueroute, n'est-ce pas? C'est assez délicat et pourtant il faut le faire, c'est le métier. Et je me souviens qu'au moment de cette affaire Stenel, il y avait un monsieur richissime qui s'appelait Chouanard, un riche industriel, qui avait été cité comme un des amants généreux de Madame Stenel. Quand on a pris son nom, nous avons bondi, nous avons dit « il faut absolument avoir des détails là-dessus, il faut l'interviewer ce bonhomme ». Il était 11h du soir. Il y avait un collaborateur du journal qui s'appelait Gérard Dubot, un garçon entreprenant entre tous, très courageux, très hardi. On lui dit « mon vieux, il faut aller interviewer Chouanard, ça n'a pas d'histoire ». L'autre se précipite, c'était près du Trocadéro, dans un hôtel particulier, il sonne, on ne l'ouvre pas, il insiste, le concierge, le portier vient, il dit « voilà, je veux intéresser M. Chouanard ». Il dit « comment, c'est pas une heure pour déranger les gens ?»« Si, 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 il faut le déranger, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement important, il faut le déranger, il faut y aller ». Alors le bonhomme monte, il réveille son patron, M. Chouanard arrive sur l'escalier au palier du premier étage, il crie « qu'est-ce que c'est, monsieur? Qu'est-ce que c'est? Vous venez m'ennuyer, fichez-moi le camp, je ne reçois personne ». Gérard Dubot, sans se demander, lui, « monsieur, vous êtes convoqué pour demain chez le juge d'instruction et j'ai peut-être des détails intéressants à vous donner et qui pourraient vous arranger ». L'autre a été épouvanté à la pensée que ses domestiques allaient tout entendre. Il lui a dit « entrez, cher monsieur ». Et Gérard Dubot a eu son article. Eh bien, dans le journalisme, c'est cela. Pour avoir un article, on fait n'importe quoi. Même prendre une photographie sur la cheminée si on pense que c'est celle de l'assassin présumé. C'est le métier. Tu as bien pratiqué ce métier de journaliste à l'époque. Mais si je ne me trompe, à cette époque où tu étais encore un tout jeune homme, tu as cumulé cette carrière avec un début qui n'a peut-être pas été si heureux dans une autre carrière voisine qui est la carrière théâtrale. Est-ce que tu ne pourrais pas nous en dire un mot aussi? Oui, je me suis lancé curieusement dans le monde théâtral. On m'avait chargé à Comédia, grand quotidien artistique de l'époque, quotidien je dis bien, car il y avait un quotidien qui ne parlait que du théâtre et des beaux-arts, eh bien j'étais chargé du compte-rendu de la soirée, c'est-à-dire signaler toutes les personnalités qui assistaient à la générale ou à la première. C'était un désastre, car je suis le contraire d'un physionomiste, je ne serais pas admis dans un casino pour reconnaître les mauvais joueurs. Et j'accumulais les gaffes. Je signalais la présence de gens qui étaient en voyage, qui étaient à l'autre bout de la France, ou qui étaient même peut-être en prison. Mais en revanche, j'ignorais la présence de gens illustres, de comédiens fameux, d'auteurs dramatiques célèbres et de gens du monde réputés. Malgré ça, je me faisais des relations. C'est ainsi que j'ai connu Gémier. Gémier, grand comédien de l'époque, directeur du Théâtre Antoine, directeur de l'Odéon, qui a marqué ses rôles, certains rôles, de façon ineffaçable. C'était un grand bonhomme, mais qui avait des marottes. Il avait des marottes, il ne regardait pas à dépenser l'argent, il s'y est d'ailleurs ruiné. Il avait toujours le désir de jouer ailleurs que sur une scène. Les scènes étaient trop étroites pour lui. C'est ainsi qu'il a monté Édith Proie au Cirque d'Hiver. Et ça a été un désastre. Il voulait aussi parcourir la France avec une troupe. Et il avait créé un théâtre national ambulant qui jouait sous un théâtre, sous une grande tente de toile. Ça a été un désastre. Il a encore fait faillite. Et bien malgré cela, il était toujours attiré par les grandes scènes. Il aurait voulu jouer sur la butte Montmartre ou sur le parvis de Notre-Dame, ce qu'on a fait depuis sans lui. Et bien, un jour, connaissant la marotte de Gémier, je lui exposais un projet qui m'a semblé mirobolant. Je lui ai dit, écoutez, il y a une chose que vous pouvez faire qui vous rapporterait bien plus que votre théâtre ambulant, c'est le Parlement ambulant. Il dit, quoi? Comment voyez-vous ça? Ben, je dis, c'est tout simple.
Le Parlement, le Palais Bourbon, personne n'assiste aux séances, il y a quelques privilégiés qui font la queue à la porte et qui viennent écouter leurs députés, ou qui viennent là passer une heure. C'est imbécile, car la France entière paie les députés, et ils ne les voient jamais, leurs députés. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe au Parlement, c'est une injustice. Vous allez créer un grand chapiteau comme les cirques, où on reconstituera le Parlement avec ses bancs, avec la tribune du président, avec la tribune de l'orateur. Et on assistera à de grandes séances qui iront se promener de ville en ville selon l'importance du sujet. Eh bien, dans les grandes villes, on donnera les grosses choses, les grosses interpellations. Dans les petites villes, on donnera les pannes, les questions du budget, les questions courantes. On pourra organiser des défilés le matin avec des chars, des affaires étrangères, avec des costumes folkloriques et faire des distributions de palmes académiques. Alors on dira aujourd'hui, assistez tous à la séance d'aujourd'hui, grande séance avec la présence assurée de M. Jean Jaurès, de M. Clémenceau, de M. Aristide Briand, de M. Enfin, on citera toutes les gloires de l'époque. Je dis, on voudra assister à ça. On annoncera même que si la recette est suffisante, là, le gouvernement posera la question de confiance. Ce sera un succès fou. Mais il y a Gémier qui m'a dit, vous êtes fou, mon petit, vous êtes fou. Je ne suis pas fou, vous gagneriez beaucoup plus d'argent qu'avec votre théâtre ambulant. En effet, on ferait payer les places, car les gens dédaignent toujours les spectacles qui n'est pas payant. Eh bien, si on les fait payer très cher pour assister à une séance où ils verront leurs députés se faire emboîter et engueuler par le reste de la salle, ils n'hésiteront pas à donner une certaine somme. Malgré cela, je n'ai pas pu séduire Gémier. Alors je vais exposer autre chose qui me paraissait mieux. C'était le dénouement facultatif. Je trouvais à l'époque, et je trouve toujours, intolérable que le public soit astreint à écouter une pièce dont il n'approuve pas le dénouement. Il s'attend à voir une pièce gaie, aimable, ça finit dans le sang. Il faut qu'on assiste à un drame, ça se termine par un mariage. C'est imbécile. On demanderait, à la fin de l'avant-dernier acte, au dernier entr'acte, on demanderait au public qu'est-ce qu'il en pense. Voulez-vous que cette jeune fille que vous avez vue épouse le garde-chasse ou voulez-vous qu'il la tue? Voulez-vous que ça se termine par un mariage ou voulez-vous que ça se termine par un enlèvement? Voulez-vous que ça se termine par une catastrophe? On voterait dans la salle, on dirait, oui, quand nous on l'a assez vu, celui-là qu'on lui coupe la gorge, on l'a assez vu, celle-là, c'est une mijaurée qu'on l'affiche en prison. Il y aurait des discussions dans la salle, on échangerait des claques et tout le monde voudrait assister à la pièce. Eh bien, mon Dieu, ça avait ébranlé Gémier. Il se voyait assez avec une séance de cour d'assises reconstituée au théâtre, avec le public votant pour l'application de la peine. J'ai failli réussir, j'ai failli le décider. Malheureusement, à ce moment-là, Gémier a reçu une pièce qui s'appelait « Le procureur à l'air », c'est qu'on a joué pendant plus d'un an. On n'a plus pensé à mon projet. J'étais désespéré. Heureusement, je me suis rattrapé autrement. J'ai présenté un acte à la Renaissance. Un acte que je jugeais charmant, plein d'esprit, et qui était joué par deux personnes totalement inconnues. Une jeune femme qui s'appelait Gaby de Morlaix et un jeune homme qui s'appelait Maurice Delormel. Gaby de Morlaix, depuis, est devenu célèbre en oubliant sa particule, et Delormel est devenu également célèbre en tenant Maurice Lehmann, directeur de l'opéra et de tant d'autres théâtres. Et enfin, j'avais donc une bonne troupe. Tout s'annonçait très bien, les répétitions étaient parfaites, j'étais heureux, j'étais aux anges. Mais seulement, il y a une chose que nous n'avions pas prévue. C'est que le jour de la répétition générale, c'était le 2 août 14, le jour de la déclaration de guerre. La première victime de la Grande Guerre, ça a été ma pièce. Pourtant, je lui avais donné un joli nom. Elle s'appelait « Pour faire son chemin ». Nous avons terminé notre dernière conversation sur l'annonce que ta pièce avait manqué son effet parce que sa répétition générale avait justement lieu le 2 août 14. Et le 2 août 14, c'est une date qu'on n'a pas besoin de préciser. On sait à quoi elle se réfère. Elle se réfère à une guerre où tu es parti et où tu as joué ton rôle. Mais je ne sais pas ou je ne sais plus dans quelles conditions tu es parti pour cette guerre. Oh, c'est tout simple. J'ai été réformé. Et comme tous les garçons de ma condition, de mon âge, de mon milieu, eh bien, j'ai couru pour m'engager. Je me suis précipité au bureau d'engagement. Ce n'était pas facile. On faisait la queue au bureau de recrutement. On se battait pour passer les premiers. Il fallait un service d'ordre et des agents pour faire défiler les volontaires. Je suis retourné en 1939 au même bureau de recrutement par curiosité. On ne faisait pas la queue, il n'y était pas nécessaire d'avoir de service d'ordre. Nous, nous sommes vraiment partis dans l'enthousiasme. À ce moment-là, je travaillais à l'Homme Libre, comme je te l'ai dit, sous la direction de Clémenceau. Et j'étais tellement pressé de partir que j'ai dit à Clémenceau, j'ai dit au patron, « Eh bien, donnez-moi une carte pour le colonel de la place et je passerai avec un tour de faveur, je partirai plus tôt. »
Et il m'a dit, de sa voix qui ronçonnait toujours, si vous croyez que j'ai du pouvoir auprès de ces gens-là, auprès de ces brutes galonnées, vous vous trompez. Enfin voilà, il me donne un mot pour le colonel, qui commandait la place de Paris. Je suis allé me présenter hardiment, car les militaires ne me faisaient pas peur, parce que je ne savais pas du tout qui c'était. Eh bien, cet homme m'a reçu et m'a dit, textuellement, « Vous n'êtes pas plus pressé que les autres. » J'étais en tout cas plus pressé que lui, qui n'est jamais parti pour le front. Je suis donc parti pour la guerre, et je dois dire que Clémenceau m'a donné une chance immense. J'étais au front depuis peut-être un an, quand il a prononcé au Sénat un grand discours condamnant le commandement, dénonçant le manque d'armement, la désorganisation du service de santé, bref, un discours extrêmement violent. Il mettait véritablement l'état-major en accusation. Il m'envoyait ce discours dactylographié avec sa carte de visite et un petit mot. Aussitôt, j'ai lu cela à mes camarades qui se tordaient parce qu'on disait du mal des grands généraux. Et puis le lieutenant de Saint-Gly, après que j'avais reçu cette lettre, il m'a demandé à lire le discours du président. Je lui ai donné. Il l'a lu. Et le surlendemain, on me convoquait chez le colonel. J'ai dit, quand nous sommes redescendus des lignes, je dis, bon sang, qu'est-ce qui m'arrive, on va me foutre en prison pour défaitisme. Pas du tout. Le colonel a été très épaté que je communique avec un ancien président du conseil. Il a été très gentil, il m'a fait asseoir, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et de ce jour-là, j'ai eu une situation assez favorisée dans le régiment. Eh bien, mon Dieu, je n'en étais pas fâché. Là, j'ai fait mon apprentissage de soldat, maniant la pioche autant que le fusil. Enfin, tu connais cela comme moi et mieux que moi. J'ai mené une existence difficile, mais de jour en jour, j'apprenais à mieux connaître les hommes et à les respecter un peu plus. Car c'était une merveilleuse école que celle des tranchées. C'était un grand confessionnal où on se mettait vraiment à nu. Il n'était pas question de truquer, là. On connaissait vraiment la valeur du camarade qui était à vos côtés, s'il était capable de vous venir en aide si vous tombiez blessé. Vraiment, c'était un échange d'humanité merveilleux. Tous les écrivains qui ont écrit sur la guerre ont rapporté le même sentiment. Ce qui a lieu de merveilleux, la leçon que nous avons rapportée, c'est une grande leçon de fraternité. C'est ce que j'ai essayé de mettre dans mon œuvre, de faire revivre les camarades, de les montrer tels qu'ils étaient, dans toute leur simplicité héroïque. Ils ne se payaient pas de mots, ils ne se payaient pas de grands gestes, ils faisaient leur devoir, et le devoir à l'époque s'écrivait avec un D majuscule. Dans notre dernière conversation, à ma question « Comment es-tu entré dans les lettres ?» qui était la vocation que tu croyais avoir et que tu avais en effet, tu as répondu par le journalisme. Et tu nous as raconté, sans tout dire, comment ont eu lieu tes débuts dans le journalisme, et on ne voit pas la liaison avec ta carrière d'écrivain pour une bonne raison, c'est que le 2 août 14 est arrivé et une autre carrière a commencé pour toi et pour beaucoup d'autres. Mais la guerre a fini. L'écrivain d'Orgelès s'est révélé, mais est-ce que l'écrivain d'Orgelès n'a pas été, pour une grande part et dans beaucoup de ses grandes œuvres, un grand reporter, et beaucoup de ce qu'on croit être des purs romans ou des romans ne sont-ils pas des reportages plus ou moins romancés? Il est certain que dans beaucoup de mes livres, de mes romans même, il y a une part d'observation qui la rapproche du grand reportage. Même dans mon livre « Le réveil des morts », il n'y a qu'un livre, je crois, c'est le mien, « Le réveil des morts », qui fasse revivre cette épopée extraordinaire des régions libérées, de ces départements qu'on a trouvés avec la terre morte. On avait dit que c'était une zone rouge qui ne reproduirait plus jamais. Et les hommes s'y sont mis avec un courage insensé. Ils ont fouillé la terre, arraché les ruines, enlevé les ronces de fer, arraché les ossements pour faire planter le blé et faire mûrir les moissons. Ça a été une tâche admirable. Et bien là, la vérité que j'observais, c'était un grand reportage que je mêlais à une fiction romanesque. Ensuite, je me suis enfin lancé dans de grands voyages. C'était mon ambition depuis mes débuts, quand je rêvais de devenir un grand reporter. J'ai pu parcourir toute l'Europe dans tous les sens. J'ai parcouru l'Afrique du Nord, j'ai parcouru l'Extrême-Orient. Enfin, j'ai fait pas mal de voyages. Et ils n'ont pas été inutiles. Car j'arrivais dans des pays avec des yeux neufs et avec un désir de les connaître, un désir ardent de les connaître. Moi, quand je suis arrivé en Égypte, j'en rappelle, j'écrivais, c'est moi qui découvre l'Égypte. Ce ne sont pas tous ceux qui ont écrit avant moi, peu m'importe les autres, peu m'importe tous les voyageurs qui m'ont précédé. J'arrivais avec des yeux neufs pour tout voir. Et j'essayais de tout voir. Et j'ai vu des choses, ma foi, je les ai vues, je crois, avec assez de bons jugements. Je me rappelle que quand je suis allé en Indochine, j'ai crié d'admiration devant ce qui était réalisé là-bas, car c'était magnifique.
On a la manie maintenant de se démolir soi-même, les Européens en général, et les Français en particulier se dénigrent. Ils ont trouvé ce mot de colonialisme. Autrefois, c'était un mot de gloire, le mot de coloniaux. C'était des gens qu'on envoyait défriger un monde. Eh bien, ils ne l'ont pas démérité. Ils ont accompli une tâche merveilleuse dont j'en suis le témoin. Naturellement, il y a eu des fautes commises. Et je l'ai écrit dans mon livre. Je l'ai écrit de façon prophétique en 1925. Je disais, si la colonie continue à vouloir profiter seulement aux hommes d'argent, si elle ne donne pas des droits plus étendus aux indigènes, si elle ne assure pas un bien-être plus solide, la France, avant 30 ans, aura perdu son plus bel empire. Eh bien, il y a 30 ans qui sont écoulés et l'Indochine n'est plus française. Je regrette d'avoir eu raison. De même, dans un autre livre, je disais, alors que tout le monde croyait que le temps des guerres était fini, j'ai écrit, non, la guerre n'est pas finie, elle reviendra, et le temps viendra bientôt, où les jeunes hommes seront de nouveau obligés de tendre leur gorge au boucher. Eh bien, 10 ans après, c'était la deuxième guerre de 39, je ne m'étais pas trompé là non plus. Vraiment, il y a des instants où on regrette d'avoir eu raison. De même, quand j'ai parcouru les États totalitaires pour écrire « Vive la liberté », j'ai rendu compte de tout ce que j'avais vu et j'étais épouvanté par le désordre que je voyais apparaître dans le monde. Je craignais cette guerre dont je parlais tout à l'heure. Je craignais, je la sentais venir. Et je l'ai écrit à ce moment-là, n'est-ce pas ? Je crie encore « Vive la liberté !» comme un enfant qui prend peur en pénétrant dans un bois. Et je voyais venir la guerre. Je suis allé le dire à un ministre à l'époque, à mon retour d'Allemagne. Le ministre ne m'a pas cru. Je me souviens, il a fait venir son directeur du cabinet. Il a dit « Ces romanciers sont étonnants. En voilà un qui croit que la guerre va éclater bientôt. » Moi, mon Dieu, elle éclatait l'année d'après. Je ne m'étais pas trompé, je le regrette. Je me souviens qu'à cette époque, avant la dernière guerre, Hitler commençait à faire frémir le monde. Et un jour, nous déjeunions avec Pierre Benoît et Cogné, le sculpteur qui a fait le monument de Clémenceau, dans un restaurant des Champs-Élysées. Et on voyait accourir des gens qui apportaient le Paris Midi, le journal du soir qui venait de paraître, et qui annonçaient l'anniversaire d'Hitler. C'était le 50e anniversaire d'Hitler et les journaux n'étaient pas que cela. Tous, il y avait des gros titres. Ça m'agaçait. J'avais horreur de cet homme. Alors, j'ai appelé un chasseur et je lui ai donné une dépêche. Chancelier Hitler Berchtesgaden, un groupe d'écrivains français vous souhaite un heureux anniversaire, à condition que ce soit le dernier. Et je signe. Je donne à signer à Benoît, qui me dit « À aucun prix, je ne signerai ça ». Je demande à signer à Francis Carco, qui me dit « Tu rigoles, enfin, jamais je ne signerai ça ». Je leur fais honte à tous les deux. Carco a finalement, poussé par sa femme, qui était israélite, accepté de signer le télégramme. Benoît l'a signé prudemment de l'autre côté de la page. Le télégramme est parti. Comme je le supposais, il a été refusé à la poste. Le chasseur est revenu en me disant « Monsieur, on n'a pas voulu de votre télégramme ». Je cours à l'appareil, j'appelle le receveur. Je lui dis « Monsieur le receveur, vous avez refusé ce télégramme, vous avez tort, car je vais pousser l'affaire plus loin ». Il me dit « Mais il y a une interdiction ». Je dis « Non, je connais la loi aussi bien que vous. Il est dit qu'on n'a pas le droit d'envoyer des insultes à un chef d'État. Ce n'est pas une insulte, c'est un souhait, c'est un vœu. Vous devez envoyer cette dépêche ». Ce receveur, qui était peut-être plus aussi anti-nazi que moi, a envoyé la dépêche. Elle est parvenue. Je l'ai maintenant reliée dans un de mes volumes avec le reçu de la poste. Somme de temps pour un télégramme chancelier Hitler Berchtesgaden. Eh bien, si j'ai payé ça 25 francs, j'avoue que c'est pas cher. On peut dire que tu en as eu pour ton argent. Ça n'est pas douteux. Et si tout à l'heure, tu nous disais que tu n'étais pas au fait des procédures, des détails et des querelles entre les hommes politiques et les partis politiques, ce en quoi d'ailleurs cette sous-estimation, si je puis dire, de ces détails politiques, tu la partages avec un homme dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais par contre, ton expérience de journaliste et de reporter t'avait valu des vues à longue échéance, et cela, on doit t'en féliciter. Mais je voudrais te ramener à une autre perspective où les vues à courte échéance t'ont certainement dominé. C'est à ton œuvre sortie de la guerre. Car entre cette œuvre de romancier et de grand reporter et la carrière de l'apprenti, du débutant, journaliste et homme de lettres, il y a eu la guerre dont tu nous annonçais l'avenue la dernière fois. Il y a eu la guerre, il y a eu le caporal d'Orgelès du 39e d'infanterie, régiment auquel je me félicite d'avoir appartenu. Avec des galons d'or. Avec des galons, c'est exact. Dis-toi que tu n'avais que des deux petites sardines, deux petits galons de laine rouge, mais enfin, l'expérience du sous-lieu. Comme je l'ai dit à Mussolini, nous sommes unis au moins par les grades, puisque j'étais caporal comme vous et comme Hitler. Il n'a pas ajouté comme Napoléon. Mais si tu le permets, je voudrais te ramener à quelque chose de plus précis qui te concerne. Ton expérience de la guerre t'a permis d'écrire Les Croix de Bois. Et sans avoir à parler de ce livre qui est trop célèbre pour que toi-même tu en reparles, je voudrais que tu racontes quelque chose que moi je connais bien mais qu'on ne connaît guère. C'est
le ratage du prix Goncourt dont ce livre a été l'occasion. Oui, le prix Goncourt, ça a été une grande date pour moi. Je revenais de la guerre et je n'avais pas le sou. Ce livre a paru, je dois dire que j'ai eu aussitôt l'audience des anciens combattants et mon livre a eu un départ immédiat. Mais j'étais candidat au prix Goncourt. On m'avait dit que j'étais sûr de l'avoir. Je ne l'ai pas eu. J'ai été déçu sur le moment et depuis, je me suis félicité. J'en suis content d'avoir manqué mon prix Goncourt. Car si je l'avais eu aux dépens de Marcel Proust, toute ma vie, j'aurais traîné cela comme un remords. On aurait dit ce misérable, il a fait mourir de chagrin Marcel Proust en lui volant son prix Goncourt. C'est honteux, vraiment, il a brisé la vie de Marcel Proust. Tandis que là, il a eu son prix. Moi, j'ai eu mon petit succès, je m'en contente et je suis heureux de n'avoir pas traîné derrière moi la dépouille de Marcel Proust. Tu as donc manqué ton prix Goncourt, tu n'as eu qu'une consolation plus restreinte, mais agréable quand même, c'est que les dames du prix Fémina t'ont couronné à bon escient. Et puis, même vis-à-vis des Goncourt, ou de l'Académie Goncourt plus exactement, je crois que la vie t'a donné ta revanche, car non seulement tu es aujourd'hui le président de l'Académie Goncourt, mais tu as pu à ton tour exercer, je ne dis pas ta sévérité, mais ta critique sur les livres des autres. Car enfin, le prix Goncourt, c'est toi qui le donnes, ou avec tes collègues. Et c'est une tâche bien, bien pénible, bien difficile, qui pose chaque année des cas de conscience. Il est très rare qu'il y ait un livre qui écrase tous les autres, n'est-ce pas ? Depuis 30 et des années que je fais partie du prix Goncourt, ça ne s'est présenté qu'une fois. L'année où nous avons pu donner le prix à André Malraux. Ce ne fut pas sans peine d'ailleurs, car il y a eu beaucoup de discussions. Mais en général, il y a des livres qui se valent presque, des auteurs qui ont autant de mérite. Alors pour arriver à départager en conscience, c'est très difficile. On hésite jusqu'au dernier moment. Il y a les gens qui croient que nous faisons ça entre amis et qu'on dit « Oh ben voilà, on s'arrange entre soi. Si tu votes pour le mien, je voterai pour le tien l'an prochain. » C'est bien mal connaître lentement des gens de lettres. Nous assistons chaque année, et souvent à des discussions violentes, l'année où Céline n'a pas eu son prix, mais ça a été presque une bagarre, Deka avait parti en claquant les portes. Une autre année, j'ai vu André Billy et Carco se prendre de bec et échanger les propos, vu qu'ils étaient des amis de 30 ans, les propos les plus désagréables, n'est-ce pas ? C'est vraiment toujours des discussions affreuses, des discussions pénibles, et les écotiers à côté de cela disent « Oh, c'est du chiquet ». Dernièrement, je lisais un article d'un garçon qui prétendait avoir surpris nos délibérations un jour de discussion pour le prix. Ils étaient d'accord, ils n'ont presque pas parlé du prix. La vérité, c'est qu'on s'était presque battu, qu'on avait crié dans la salle comme des sourds, n'est-ce pas ? Seulement, ces cris-là, on ne les entend pas toujours. Les écotiers préfèrent croire à de la combine, à des ententes secrètes, à des marchandages honteux. Non, eh ben, tout de même, le prix Goncourt est une grande chose, car il permet à donner une chance à un écrivain. Et les écrivains n'ont pas tant à leur début de chance. Eh bien, leur donne leur chance, leur grande occasion, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, la preuve que nos choix ne sont pas si mauvais dans nos prix, c'est que l'Académie française choisit nos lauréats. Elle nous a pris Duhamel, les frères Tarot, Farrer, et plus récemment Troya, et elle en prendra d'autres. Cela prouve qu'on reconnaît la qualité de nos lauréats. Nous les choisissons avec discernement et vraiment avec le plus de conscience possible. On dit que c'est injuste, qu'un autre soit aussi méritant. C'est injuste, c'est entendu, c'est injuste. Mais qu'est-ce qu'il y a de juste dans la vie ? Rien, rien. C'est juste que Comines soit riche et Villon pauvre, que Musset soit beau et Verlaine hideux. Non, ça n'est pas juste. Eh bien là, les prix littéraires ne sont pas justes non plus. Et on ne peut pas donner la beauté et le charme et la séduction à tous les hommes. On ne peut pas leur donner à tous le prix Goncourt. Mais celui qu'on donne est sorti de l'obscurité. Du jour au lendemain, il est connu, célèbre. Et sa célébrité ne durera pas s'il ne constitue pas une œuvre suffisante. Mais il est pour un instant sur un piédestal et il est à l'abri du besoin. Il peut travailler sans souci pour le lendemain. C'était le rêve d'Edmond A. de Goncourt, sauver un écrivain de la médiocrité pour qu'il se donne tout entier à son œuvre. C'est la tâche que nous essayons d'accomplir avec le plus de conscience possible. Et moi, je trouve, pour conclure cette émission, qu'il y a comme une loi du destin qui a fait du candidat malheureux au prix Goncourt et qui aujourd'hui se félicite de ne l'avoir pas fait manquer à Marcel Proust, ce qui honore les deux, d'être devenu finalement, en fin de sa carrière, le président de l'Académie Goncourt et d'avoir à mettre ses dons de justice et d'équité au service des lettres françaises. Ne m'attriste pas trop en disant la fin de ma carrière, dis le milieu, comme ça me fera vivre jusqu'à plus de 100 ans.
moment de commencer cette émission qui est la dernière de la série, je me dis que les auditeurs s'étonneront sûrement que l'auteur des Croix de Bois n'ait pas du tout parlé de la guerre. C'est juste, mon cher Jacques, mais notre guerre à nous, celle qu'on a appelée la Grande, s'enfonce dans l'histoire. C'est déjà bien loin tout ça. Aux yeux des adolescents d'aujourd'hui, nous faisons figure de vétérans, de survivants de la guerre de 100 ans. Naguère, ou jadis même, rappelle-toi, quand nous traversions la place de la Concorde et que nous voyions de vieux barbus se serrer autour du monument de Strasbourg comme voilés de crêpes, nous étions ahuris de les voir là. On disait comment ? Des vétérans de Réchauffen, il y en a encore. 50 ans s'étaient écoulés depuis Gravelotte, depuis Buzenval. C'est exactement 50 ans qui nous séparent de la Grande Guerre, qui nous séparent des années de Verdun. Par conséquent, nous sommes déjà de l'autre côté. C'est bien la vérité, et chaque semaine, sinon plus souvent encore, nous apprenons la mort d'un de nos camarades de 14-18. Mais oui, Georges de Duhamel me le disait souvent. Nos carnets d'adresse sont transformés en allées de cimetière. Il y a partout des croix. Et vraiment, je lui disais qu'il m'arrivait de penser au jour où le dernier combattant de la Grande Guerre, devenu centenaire, se pencherait tout vacillant sur la tombe du soldat inconnu pour ranimer la flamme. Alors une page d'histoire sera tournée, le soldat inconnu ne sera plus qu'un héros oublié. Il me semble que tu vois aujourd'hui les choses sous un jour bien noir. Oh, pas du tout, pas du tout. Je pense au contraire que nous sommes des privilégiés. Rappelle-toi ce que nous disions au retour des tranchées après les attaques. Ce que nous allons vivre maintenant, ce sera du rabiot. Eh bien, nous avons fait 50 ans de rabiot, c'est déjà joli. Tu ne crois pas si bien dire avec les 50 ans. Hier, à déjeuner, je fêtais avec ma femme le cinquantenaire de ma première blessure. Oui, ben tu vois, c'est un miracle. Il y en a eu peu, mais il y en a certains. En voilà un, c'est merveilleux. Ben, c'est encore... Ce que tu dis là, c'est encore plus vrai, parce que depuis cette guerre-là, nous en avons connu une autre. Et on pourrait faire un rapprochement entre les deux, me semble-t-il. Un rapprochement, ça me paraît difficile. À part leur durée, elles ne se ressemblent en rien. En août 14, les hommes sont partis la fleur au fusil. En 39, c'est un fer-phare de deuil qu'ils portaient. Et c'est peut-être notre faute à tous, à nous tous, les écrivains de guerre, même à toi, mon bon Jacques. Oh, je voudrais savoir pourquoi, en ce qui me concerne. Ben, tu as écrit La Biffe, hein, une belle œuvre généreuse, une œuvre de courage et de piété. Eh bien, dans ton livre, comme dans tous les autres, on te dépeint des choses atroces avec la mort au bout. Ce n'était pas fait pour pousser nos cadets à partir le cœur joyeux. La crainte qu'ils ressentaient, nous en sommes tous responsables, mais leur jeunesse a pris le dessus et ils se sont battus quand même. Nous l'avons engagé, cette dernière guerre, il faut bien le dire, dans des conditions épouvantables. Tu as pu l'observer mieux que personne, toi qui étais au grand quartier. Oui, mais au grand quartier, hélas, on pouvait s'apercevoir aussi que la faute initiale datait de beaucoup plus loin, c'est quand on avait permis à l'Allemagne de réarmer. Sûrement. On pouvait alors étouffer le nazisme, et des millions de vies humaines étaient épargnées. Mais reportons-nous à ces jours-là et soyons sincères. Si on avait parlé à l'époque où l'Allemagne devenait menaçante de faire la mobilisation générale pour franchir le Rhin, crois-tu que la foule aurait marché ? Crois-tu que le pays entier aurait marché ? Non, tout le monde, faut être sincère, tout le monde aurait crié non. Personne ne voulait revoir la guerre. Celle de 18 est encore trop proche, il avait coulé trop de sang, les hommes ne voulaient plus se battre. Et le gouvernement n'a fait qu'obéir aux vœux de la nation. Oui, mais il ne voulait pas, mais il y a été bien obligé quand même et dans des conditions épouvantables. C'est un désastre qu'on ne pouvait conjurer. Depuis 1918, il y a toujours eu dans le monde un pays, grand ou petit, où on se battait, où le sang coulait, en Asie, en Amérique, en Afrique, même en Europe, le plus souvent pour des motifs absurdes, et la prochaine sera pire. Bon, la prochaine, n'exagérons pas, il n'y a pas de raison que nous la voyions et qu'il y en ait même une. Bon, je regrette de le dire, j'ai presque honte à le dire, mais je crois à la fatalité des guerres. Si les hommes ne portaient pas en eux le goût du risque, s'ils exécraient vraiment la guerre, il y a des siècles que le sang ne coulerait plus. On fait combattre les taureaux, pas les brebis. Ce goût sauvage, les hommes dont dans le sang depuis l'enfance. Regardons les jouets, regardons les petits dans la rue. Dès qu'ils ont un bout de bois entre les mains, ils en font un fusil. Et ils s'amusent papa papa à tirer sur un copain. C'est ça qu'ils ont dans la peau. Ils ne s'aperçoivent que c'est dangereux que le jour où les balles sifflent et où les obus éclatent. Alors là, ils comprennent que c'est vrai, que ce n'est pas un jeu, mais il est trop tard. Il n'est peut-être plus trop tard après la dernière où l'hécatombe a été telle que je pense que l'humanité en est tout de même dégoûtée pour longtemps, peut-être pour toujours. Je veux bien l'espérer avec toi, mais je n'en suis pas certain. À 20 ans, quand je me proclamais anarchiste chrétien, je déclamais la prophétie de Romain Rolland. Le temps viendra où les hommes fondront les sabres en herse et les piques en faux. J'y croyais, c'était un beau message, mais c'était un noble mensonge. Je me rappelle ce que je disais aux copains sous le gourbi quand ils répétaient pour se rassurer que nous faisions la terre d'Éder.
Au risque de les faire crier, je répondais, « Des clous, il y aura toujours des guerres. » Tu l'as en effet écrit dans les croix de bois déjà. Mais oui, mais comme malgré tout je ne voulais pas les désespérer, je leur donnais des exemples plutôt comiques. D'abord, pour commencer, celui d'Adam, notre père à tous. Quand il a été seul sur terre, ben mon Dieu, il s'est contenté de battre sa femme, lui donner une trempe de temps en temps. Ça n'allait pas plus loin. Mais du jour où il a eu deux fils, ça a été fini. La trêve était rompue. Cain a tué Abel, et Abel était peut-être une petite fripouille qui l'aurait étranglé le lendemain. C'était le commencement des guerres. On se battait homme contre homme, puis on s'est battu tribu contre tribu, ville contre ville, pays contre pays, continent contre continent, et cela continue jusqu'au jour, comme disait la Bruyère, il ne resterait que deux hommes à la surface du globe, ils se battraient encore, fût-ce pour les limites. Décidément, mon cher Roland, aujourd'hui tu es vraiment noir et tu vois l'homme sous des couleurs très affligeantes. Pas du tout. Je les admire, les hommes, au contraire. Et plus encore en temps de guerre, les plus beaux actes de dénouement, les plus nobles gestes de fraternité, c'est dans les tranchées qu'on les a observés. Quand un soldat risquait sa peau pour sauver un copain, lorsqu'il criait présent, lorsqu'on demandait un volontaire pour porter un pli sous le bombardement, c'est seulement dans ces circonstances-là qu'on peut juger les hommes. Remarque, on a pu aussi les juger quand en 40, ils se débattaient sous la pression épouvantable des chars allemands. Ça a été les premiers maquis, ça a été la résistance qui s'organisait, et là aussi il y a eu des victimes. Et combien des nôtres ils sont tombés dans cette bataille-là, dans cette bataille obscure, qui a duré, qui s'est prolongée 4 ans. Il faut tenir compte aussi de ces gens qui travaillaient obscurément, qui n'avaient pas derrière eux la famille, comme dans les guerres, pour les recevoir de temps en temps, ou les amis, les camarades, pour les réconforter, où ils étaient obligés de lutter en se cachant, en luttant obstinément, en affrontant la mort, en affrontant la déportation. Ben là, ça a été encore une grande leçon qu'on a donnée. Les civils aussi ont été merveilleux. Je les ai admirés. Au pire moment de la débâcle, quand le flot hagard des réfugiés remplissait les routes, ils étaient des millions qui se sauvaient sans savoir où, mourant de soif, crevant de faim, avec des moments trébuchants qui s'écroulaient avec leurs gosses long des talus. Ces malheureux, pris de désespoir, auraient pu se ruer sur les autos de luxe et qui leur lançaient les gaz au nez. « J'ai une femme, moi, j'ai des gosses. » Et ils prenaient la voiture, ils foutaient tout le monde en bas et personne ne les aurait arrêtés. Il n'y avait plus de police, il n'y avait plus de gendarmes, il n'y avait plus rien. Eh bien, la foule là s'est montrée d'une docilité, d'une noblesse, d'une générosité exceptionnelle. Je te le dis, j'ai toujours admiré les hommes dans ces instants-là. Pas une auto alors n'a été attaquée, pas une passante n'a été dépouillée de ses bijoux. Et cette armée de misère a poursuivi sa route sans un cri de colère, sans un geste menaçant. En pleine déroute, ces pauvres ont donné une leçon de grandeur. Évidemment, j'ai vu cela aussi et tu as raison, mais je crois que pour bien des raisons, nous ne reverrons pas ça exactement en tout cas. Oui, pour l'excellente raison qu'il n'y aura plus d'exode. Le fameux champignon atomique ne nous en laissera pas le temps. Pour moi, si j'étais encore de ce monde, je sais ce que je ferais. Je m'enfermerai avec une bonne provision de café en poudre et de lait condensé et j'attendrai le dénouement avec philosophie. Voilà où nous aurons conduit les progrès de la science. Tu ne vas pas maintenant aussi dénigrer la science elle-même? Bien au contraire. Je m'abrite derrière elle, au contraire. Je m'abrite derrière un grand savant, un homme de génie, le précurseur Marcelin Berthelot. À la veille de la guerre de 70, il prédisait que dans 50 ans de recherche physique et chimique, on aurait pénétré le secret de l'atome, qu'alors on en serait le maître et que les savants pourraient à distance éteindre et allumer le soleil comme ils voulaient. Eh bien, les 50 ans écoulés, c'est le moment. C'est vrai. Cela même était dit, je crois, au dîner Magny. Et c'était Goncourt qui le racontait, n'est-il pas vrai? Exactement. Eh bien, tu vois, le délai qu'il avait fixé est écoulé. Maintenant, l'atome est découvert, l'atome est soumis, il est dans la boîte, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et ça sera fini. Autrement dit, maintenant, après la guerre des peuples ou des continents, c'est la guerre des mondes que tu nous annonces, à la manière de Elf. Oui, mais cette fois, ce ne sera plus un roman. Parfois, quand je roule en auto dans la campagne et que j'aperçois sur les routes ou le long des voies ferrées ces affreux caténaires, ces monstres métalliques à la tête vide, au squelette noir, avec leurs bras pendants qui soutiennent des câbles. Je me dis, mais voilà, c'est l'armée d'occupation, c'est l'armée planétaire qui arrive, ce sont les martiens qui arrivent, je les vois là, c'est la guerre des atomes qui commence. Je crois que je te trouve aujourd'hui dans un mauvais jour, car tout te ramène à des prédictions qui, évidemment, ne sont pas rassurantes. Tu ne pourrais rien nous prédire de plus agréable. Si, l'intervention du petit inventeur. Ça paraît comique, mais c'est effrayant. La guerre atomique, nous pouvons supposer que les grandes nations hésiteront à la déclarer, car elles feraient trop de victimes, puis ils auront peur de la riposte du voisin. Et puis d'autre part, ces installations pour la bombe atomique exigent des espaces énormes, avec d'immenses ateliers, avec des laboratoires, avec des mines, avec des villes ouvrières. Tout cela est vulnérable, tout ça peut tomber sous les bombes du voisin, n'est-ce pas? Tandis que le petit inventeur, qui travaillera dans son coin,
Il aura travaillé, il aura trimé, il aura fait sa petite découverte et il travaillera gentiment jour, après son travail ou le dimanche matin. Et alors quand quelqu'un viendra le voir et qu'il verra le gosse jouer dans le jardin, il dira: où est ton papa? Papa, il est en train dans son atelier, il est en train de travailler, il est en train de bricoler. Il bricolera en effet, il fera sa petite bombe sans le dire à personne. Quand il l'aura fini, bien fignolé, eh bien il ira à la gare d'un pays voisin, un pays où il a laissé de mauvais souvenirs, et il déposera sa bombe à la consigne. Il dira: monsieur l'employé, je viendrai la chercher le lendemain. Mais le lendemain, ce ne sera plus la peine, il n'y aura plus de gare, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus rien. Et le petit inventeur, ravi, se frottant les mains, verra peut-être à la télévision le spectacle affreux de cette ville où il a été autrefois malheureux et dont il sera vengé en causant 100 000 morts. Oui, ainsi maintenant, d'après toi, l'humanité ne dépend plus dans son sort final d'un dictateur ivre de destruction comme nous en avons connu, mais d'un simple vieux ou jeune toqué, malade du foie par exemple. Ou d'un cocu. Parfaitement, je le crois, et je ne divague pas, cela se réalisera un jour. La peur que les hommes croient à la menace atomique, c'est qu'ils se font construire des abris souterrains pour se protéger. Tu l'as lu comme moi dans les journaux. En Amérique, il y a des milliardaires qui ont fait creuser des prés, aménager des grottes pour se mettre à l'abri, pour être à l'abri de tout, pour être plus virisés comme les autres par la bombe. Eh bien, ces gens-là me paraissent des imbéciles ou des fous. Comment ils envisagent tranquillement de sortir de leur abri quand tout aura été dévasté, et de reprendre leur petite vie dans un monde où il ne restera plus rien, où tous ceux qu'ils aimaient seront détruits, où il n'y aura plus rien de leur vie passée? Mais voyons, 100 fois plutôt la mort, 100 fois la mort. Je t'en prie, mon cher Roland, nous n'allons pas finir cette émission sur quelque chose d'aussi lugubre. Pourquoi pas, après tout? Comme il n'est pas dans notre pouvoir de détourner les événements, mieux vaut leur prêter un dénouement comique. Mais si tu veux bien, amèrement, cruellement comique. J'imagine que notre machine ronde a été bouleversée, dévastée, détruite par les explosifs de deux adversaires acharnés. La Terre n'est plus qu'un désert de cendres, où toute trace d'humanité a disparu. Il ne reste plus dans ce tragique paradis terrestre qu'un singe et une guenon qui regardent tristement ce monde calciné, et tout le travail sera recommencé.